Ifeanyi. Tu es oui, là. Papa. Ah, sois le bienvenu. Papa. Hein? Ah. Tchaï. Ifeanyi, c'est bien. Oui. Je vais bien. Dieu merci. Sois le bienvenu. Et ton état de santé? Ah, je vais bien, je vais bien. Et toi donc? Dans l'ensemble, je vais bien. C'est juste le stress. Ah, ok. Pourquoi es-tu venu avec tous ces sacs? Je ne comprends pas. Quel sac? Tous ces sacs avec lesquels tu es venu. Papa, je t'ai acheté des vêtements et aussi la nourriture que tu as demandé que j'apporte. Mais est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin des nouveaux vêtements? Tu n'as pas besoin de me le dire, papa. Je connais ta penderie. Je sais que tu n'as pratiquement plus de vêtements. Il fallait donc que je t'en achète d'autres. Ces médicaments sont très efficaces. Ah, vraiment? Ils sont vraiment très efficaces. Le docteur m'a prescrit des nouveaux médicaments pour mes problèmes articulaires. Mais j'ai oublié leur nom. Papa, ne t'en fais pas pour ça. Je vais l'appeler. Je l'appellerai et il me donnera le nom. Le plus important dans l'histoire, c'est que tu te sentes mieux. Ok. Et comment te sens-tu? Je vais bien et comme je te l'ai dit, j'ai juste un peu mal au dos et le stress, c'est tout. Si wow. Jeune. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ça n'empêche pas que tu marches avec ton inhalateur. Papa, je marche toujours avec. Ah. Ouais, c'est bien de s'inquiéter, mais tu en fais un peu trop. Ah, je dois me faire du souci, non? Beaucoup tu es trop. Mon fils. Hé, m'approche pas. Ah, ok, je suis désolée. Désolée de t'avoir fait attendre. J'avais un emploi de temps serré. Je t'en prie. Sais-tu pourquoi la plupart des relations ne durent pas? Je ne sais pas. À cause d'un excès de mensonges et d'un manque de respect. Ah, ça recommence. Ça recommence. Qu'est-ce que tu veux dire par ça recommence? Ai-je l'air de vociférer ou alors de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle? Ceci n'est pas la première fois, ni même la deuxième fois, ou encore la troisième fois que nous avons un rendez-vous. Aucun de tes rendez-vous n'est honoré. Chaque fois, tu fais toujours les choses à ta manière, sans aucun respect pour moi. Tu es sans ignorer que je suis le prince de ce royaume. Bébé, ça va. Obina, calme-toi. Hein? Je sais que nous avions un rendez-vous, mais je t'ai dit que mon emploi du temps a changé, qu'un de mes camarades m'a appelé, qu'on avait un examen à passer. S'il te plaît. Ta camarade m'a appelé que vous avez un stupide examen. Es-tu la seule étudiante? Tu es la seule étudiante? Hein? Es-tu en train de parler à un bébé? As-tu oublié que je suis un diplômé? Je suis également allé à l'université et je sais tout ce qui se passe là-bas. De quoi est-ce que tu parles? Hein? Ces excuses stupides que tu passes ton temps à me donner là commencent déjà à m'énerver. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais de quoi je parle? Je n'en sais rien. Tu sais bien de quoi je parle. J'en ai marre de cette relation. J'en ai marre de ton attitude nonchalante. J'en ai marre de tes excuses pidons. J'en ai marre de tout cela. Je pense que c'est toi le problème. En fait, c'est toi le problème. Tu es arrogant, t'aimes critiquer et trop nerveux pour moi. Comporte-toi comme un homme. Laisse pas tes sentiments prendre le dessus. En fait... Es-tu folle? Espèce d'idiote. Comment tu oses me parler de la sorte? As-tu oublié que je suis le prince de ce royaume? Écoute, je suis l'homme ici. Et tout ce que je dis doit être fait. Et tu dois l'accepter. Trouve-toi quelqu'un d'autre à commander et non moi. Et reviens ici, ne me tourne pas le dos, ok? Ne me tourne Retire pas le dos. Retire tes mains crasseuses. Tu me tournes le dos? Écoute-moi, si tu sors de cette concession, tu le regretteras, je te le jure. La seule chose que je regrette est de t'avoir supporté avec tes sales caractères. Ressaisis-toi.
Es-tu sûr que tu n'as rien à me dire? Ah, ne t'en fais pas pour moi, mon fils. Tu dois juste prendre soin de toi, ok? Je suis capable de prendre soin de moi. Le problème ici, c'est toi. Promets-moi que tu prendras soin de toi. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai. Il faut que j'y aille. Au revoir, hein? Sois sage, là, dehors. Hein? Papa, prends soin de toi. D'accord. Si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'en parler. D'accord, je le ferai. Sois sage, là, dehors. Hein? Au revoir. Je t'appellerai dès mon arrivée, hein. D'accord. Prends soin de toi, papa. D'accord. Prends soin de toi, hein. D'accord, papa. Bye. Bye. Père, tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. Nous devons parler, assieds-toi. Je t'écoute. Est-ce que tu sais que l'une des qualités qui fait de toi un homme est le niveau de maturité avec lequel tu gères certaines situation et problème? Je le sais, papa. Mais je ne sais pas exactement où tu veux en venir. Ok. J'ai vu ta petite dispute avec ta petite amie Berici hier. Mais père, tu veux dire que tu nous espionnais? Rectificatif, mon fils. Je n'étais pas en train de vous espionner. Hmm? J'étais en train de vous regarder. Et je te conseille de ne plus utiliser ce genre de langage lorsque tu es en train de me parler. Désolé pour ça, père. Je croyais que tu étais occupé à gérer d'autres affaires au palais. Non, j'ai tout vu. J'ai entièrement tout vu. Je dis bien, j'ai tout vu. J'ai vu son humeur avant qu'elle ne s'en aille de ce palais. Et je l'ai même appelé et elle m'a absolument tout raconté. Tu l'as appelé? Oui. Père, j'espère qu'elle ne t'a pas raconté des bêtises. Non. Elle ne m'a pas raconté d'histoire. Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé. Et d'après ce qu'elle m'a dit, je ne pense pas du tout qu'elle mentait. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi je l'ai frappé? Non. Elle m'a insulté. Peu importe quelle est la raison. Tu n'avais aucune raison. Tu n'avais aucun droit de la frapper. Elle n'est pas ta femme. Et même si elle était ta femme, tu n'as aucun droit de la frapper. Et en plus, elle ne t'appartient pas. Vous êtes deux jeunes gens qui apprennent encore à se connaître. Mais père, elle m'a insulté. Elle a insulté le prince de ce royaume. Elle ne t'a pas insulté. Tu l'as forcé à dire toutes ces choses qu'elle a dites, en croyant que c'était approprié en ce moment précis. En fait, tu l'as poussé à dire ces choses. Père, je ne pense pas que tu comprennes ce que je veux dire. Le problème, c'est que lorsque Eberechi et moi avons une discussion, elle finit toujours par tout gâcher. Je lui reprochais le fait qu'elle ne respecte jamais sa parole. Cette fille n'est encore qu'une étudiante. Elle va encore à l'école. Et tu sais combien elle accorde beaucoup d'importance à ses études. Toi aussi, tu es allé à l'école. Et tu sais combien cela exige une concentration. Avec ce niveau d'exigence, est-ce que tu penses qu'elle aura vraiment le temps pour s'amuser? Qu'est-ce que tu veux dire par s'amuser, père? Je veux juste qu'elle m'accorde plus d'attention. Je ne la connais pas très bien, mais
Je voudrais juste qu'elle communique le plus avec moi. Je voudrais juste qu'elle soit là pour moi. Je veux davantage qu'elle s'investisse dans cette relation, c'est tout. Mais tu es encore avec elle. Et tu finiras un jour par la connaître. Père, je te remercie pour ton temps, mais je pense que je devrais m'en aller. Excuse-moi. Obina, ça va? Maman, pourquoi est-ce que papa ne me laisse pas gérer mes affaires telles que je les conçois? Est-ce qu'il est obligé de se mêler de mes affaires? L'est-il? C'est parce qu'il est ton père. Et il se sent dans l'obligation de prendre soin de toi. Ok? Et en plus de ça, tu seras bientôt le nouveau roi de ce royaume, Obina. Maman, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de tout ceci. Le fait que tout le monde essaie de se mêler de mes affaires. Je suis assez grand. Je peux prendre en charge mes responsabilités. Je peux subvenir à mes besoins. Je pourrais régler n'importe quelle affaire qui me concerne dans ce palais. Pourquoi père me stresse autant? Pourquoi? Hein? Sa manière de penser est totalement différente de la mienne. Ce qu'il fait est totalement différent de ce que moi je fais. Je vais bientôt régner sur ce royaume. Et je compte le faire très bien. Avec assurance, ce royaume sera à la mode. Que ce vieux se mêle de ses affaires. S'il te plaît, maman, parle-lui. C'est ton mari. Demande-lui de rester loin de mes affaires. Spécialement mes affaires intimes. Excuse-moi, mère. Je t'ai dit de te reposer. Je t'ai dit de te reposer, mais tu as insisté pour terminer le travail de Momoke. Hein? Ne te tue pas. Repose-toi. Mamaka. Mamaka. Mamaka m'a appuyé au moins. 18 fois. 18 fois. Elle ne me laisse pas tranquille. Qu'est-ce qui est plus important entre ta vie et celle de Momoke? Hein? Ta santé est plus importante que tout. Tu dois d'abord sauver ta vie. Merci. Merci. Merci de te soucier. Juste que... Ah. J'ai trop de travail. Trop de travail à faire. Donc si je continue à perdre du temps, je vais perdre des clients. Écoute, laisse d'abord le travail de mon banquier, hein. Tu dois te reposer. Viens, je vais t'aider. Tu dois d'abord te reposer. C'est quoi ça? Hey! Que tu es lourd, hey! Laisse-moi finir d'abord. Allez, laisse d'abord ce travail et allons-y. Ah! Tu aimes trop te stresser pour rien. Mais chaque fois, j'aime trop tes stressés. Allez, oublie, Momoke. Momoke, qu'est-ce qui ne va pas avec Momoke? Tu devrais d'abord te soucier de toi. Ta santé avant tout, pardon. I've been through so many pains. My life is full of agony. I've been through so hard time. What will I do? Where will I go? Oh, oh.
what will I do? Allô, fils. Allô, papa. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Et toi? Je vais bien, fils. Il y a quelque chose qui ne cesse de me tourmenter l'esprit. Et je souhaiterais en parler avec toi. Papa, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce que j'ai à te dire est très, très important. Ne pouvons-nous pas en parler au téléphone? Non. Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Je voudrais que tu reviennes demain à la première heure, ok? D'accord, papa, je me mettrai en chemin demain matin à la première heure. Ok. Prends soin de toi, hein? D'accord, papa. Toi aussi, prends soin de toi, je te vois demain. D'accord. Oh, la plus belle des créatures. Tu es là. S'il te plaît, je veux passer. Hé, un instant. Pourquoi es-tu si pressée? Je suis là pour rencontrer ton père. Il m'a appelé. C'est à cause de moi qu'il t'a appelé. Et de plus, je t'ai appelé plusieurs fois, mais t'as pas pris mes appels. Je t'ai également envoyé des messages, mais tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas obligée. Laisse-moi aller voir ton père. Je n'ai pas assez de temps. Reviens ici, mon amour. Reviens. Pourquoi est-ce que tu fais un tel plat? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es autant stressée? Écoute, tu es trop belle pour réagir ainsi. Tu en fais tout un plat, tu sais. Oh, s'il te plaît. Le soleil brille tellement qu'il serait inapproprié que toi et moi, nous nous disputons, ok? Je sais que tu es fâchée contre moi, mais tu dois te calmer, d'accord? Calme-toi, nous pouvons nous arranger sans toutefois faire de problème. Sincèrement, tu me manques. S'il te plaît, allons-y dans un endroit calme où nous pouvons discuter calmement, sans bavure. Ok, mon amour, allez, fais-moi un sourire. Allons-y. Ah, mon amour. Pourquoi réagis-tu ainsi? Regarde-toi. Ta peau est tellement rayonnante. Tu es très belle. Elle scintille. Qui avait dit que la plus belle des créatures n'existe pas? Cette personne doit être un blagueur, car tu es la définition même de la beauté. Tout ce qui te concerne est juste magnifique. Fantastique. Écoute, mon amour. Tu sais, il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans notre relation. Nous essayons de nous connaître l'un l'autre. Nous sommes encore à ce processus. Se connaître, ça prend du temps. C'est pour cela que tu vois que ces choses nous arrivent. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Aucune relation n'est parfaite. Mais je pense que la chose qui m'affecte et aussi qui affecte notre relation, c'est que nous laissons les gens s'ingérer dans notre relation. En fait, ce n'est pas une bonne chose. Si je t'ai bien entendu, de qui est-ce que tu parles? De ton père? Pour ton information, je n'ai pas appelé ton père, c'est lui qui m'a appelé en premier. Je le sais. La plus belle, je le sais. De plus, nous avons une conversation à propos de tout cela. Mais le truc, c'est que nous sommes des adultes. Et très bientôt, tu seras mon épouse. Tu seras la reine de ce royaume. Nous allons gouverner ce royaume ensemble. Alors, nous devons essayer de nous comprendre. Ok? Alors, écoute. Si nous rencontrons des difficultés, il est important de s'asseoir ensemble, en tant que mari et femme, pour discuter calmement, au lieu de laisser n'importe qui s'infiltrer et s'ingérer dans notre relation. C'est tout ça que je ne veux pas. Je sais que j'ai très mal agi en te frappant, mais tu sais que tu m'as aussi poussé à le faire. Comment? Comment? J'ai essayé de t'expliquer, mais tu n'as pas écouté. Que voulais-tu que je fasse? Croiser mes bras et te regarder m'insulter? Non! C'est vrai. Je l'admets. T'as raison.
Mais nous devons oublier le passé. Ok, pensons au... Bref, soyons focus sur le futur. Nous sommes le futur. Nous aurons de beaux enfants. Oui, ils seront très beaux. Nous sommes le futur. Je suis désolé pour tout ce que j'ai pu te faire. Ça ne se reproduira plus, mon amour. Ok? Alors fais-moi sourire. Tu sais, j'aime te voir sourire. Je suis désolé. Concentrons-nous sur le futur parce que c'est dans le futur que tout se passera. Je t'aime tellement. Et je ne te ferai plus de mal. Promis. C'est une promesse, ma reine. C'est bon. C'est bon. Comme tu l'as dit, nous apprenons à nous connaître. Se disputer ne nous apportera rien du tout. Et nous devons respecter le point de vue de l'autre et s'écouter. Je sais que tout reviendra dans l'ordre. Tout reviendra dans l'ordre, mon amour. Oh, ma reine. Elle ne me frappe plus jamais. Je ne te frapperai plus. Promis. Le seul endroit où je te frapperai, c'est dans la chambre. Ne me frappe pas là-bas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu vas plutôt t'amuser avec moi. Je ne suis pas ton père biologique. Laisse-moi te raconter comment j'ai rencontré ta mère. Il y a de cela plusieurs années. Monsieur, je suis désespérée. Ok. J'ai besoin de votre aide. Comment? Je me demandais si vous pouviez m'aider avec votre téléphone. Je veux passer un coup de fil. Mon téléphone? Ouais. Pourquoi, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, je veux passer un coup de fil. Ok. Mais s'il vous plaît, surtout dépêchez-vous. Ok, monsieur, je le ferai. Désolé, mais Becky ne peut vous répondre pour le moment. Ah, Adochi. Depuis quand est-ce que tu reprends à la place de Becky? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ah, c'est moi, Ifeditma. Ah, ma puce. Comment tu vas? Je n'avais plus de tes nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, je vais bien. Mais depuis quand est-ce que tu réponds aux appels de Becky? Arrête un peu de me poser des questions. C'est une très longue histoire. En fait, comment est-ce que tu te débrouilles? Pardon, je ne vais vraiment pas bien. À l'instant où je te parle, je ne sais même pas où je vais dormir. Hélas, je ne suis pas en ville. En fait, j'avais eu des ennuis et je me suis fait renvoyer. Tu vois un peu le topo. Tu n'as pas d'argent? Je t'assure que je n'ai même pas une pièce. Je n'ai absolument pas d'argent. Comment est-ce possible? C'est pas quelque chose qu'on discute au téléphone. Dis-moi juste où tu te trouves. Je te l'ai dit, je ne suis pas en ville. Je t'ai dit que j'avais eu des soucis et j'ai dû aller au Ghana. Hey, je suis finie. Qu'est-ce que tu es allé faire au Ghana? Je suis allé me battre. Je suis maintenant à la rue. La rue? Qu'est-ce que ça veut dire que t'es dans la rue? Je suis venu ici pour me battre et j'ai dû tout vendre. Tu sais, les choses ne sont pas faciles ici. Mais tu es une très belle fille et alors tu pourras t'en sortir. Ok, bébé, oublions toutes ces choses. Où est-ce que je vais passer la nuit? Je n'ai nulle part où aller. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire là tout de suite.
Je pourrais porter tes bagages et prendre la route pour venir ici me retrouver, tu sais, au Ghana. Là, tout de suite, c'est tout ce que j'ai à te proposer. Bébé, les conditions dans lesquelles je me trouve ne me permettent pas de faire une telle chose. Hein? S'il te plaît, est-ce que t'as pas un autre moyen de m'aider? Bon, tu sais quoi, laisse tomber, ça va. C'est toi seule qui a envie de souffrir. Au revoir. Ah! S'il vous plaît, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, je dois partir maintenant. Ah, il a raccroché. Merci, monsieur. De rien. S'il vous plaît, je veux du pain et du haricot. Thank you.
What will I do? Where will I go? Oh, oh. What will I do? Where will I go? Ah, bonjour, comment allez-vous? Hey, jolie demoiselle. Hey, vous êtes ravissante. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Je cherche le bailleur de cette maison. Tu cherches le bailleur de cette maison? Oui, monsieur. Ah, mais c'est moi le bailleur. Oui, c'est moi le bailleur de cette maison. Merci, Seigneur. Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous faites ici? Je me demandais si vous n'aviez pas un petit espace à l'intérieur pour que je puisse rester. Un petit espace? Oui, monsieur. Vraiment? Vous êtes très chanceuse. J'ai effectivement un espace. J'ai un petit espace là-dedans. Vraiment, merci. Mais le loyer, c'est 30 000 naira. Oui, y compris le contrat de bail. Mais ce n'est pas grand-chose, tu pourras payer. 30 000 naira? Mais oui. Mm-hmm. Oga, s'il vous plaît, je n'ai pas cette somme d'argent, mais si je reçois mon salaire, hein, je vous donnerai votre argent. Si on te paye. Ok, combien avez-vous à l'instant? Combien avez-vous? Combien? J'ai 5 000 naira, monsieur. 5 000? Oui. 5 000 naira. 5 000 naira ne m'achète même pas la bouteille de vin que j'ai l'habitude de boire là-bas au carrefour. Quand j'ai envie de me détendre, que vais-je faire de 5 000 naira? Ah, 5 000 naira. Oga, s'il vous plaît, juste pour cette fois. S'il vous plaît. Ok, pas de problème, je vous ai entendu. Je vais le faire à une seule condition, et c'est parce que vous êtes une jolie femme. Je vais le faire pour vous, hein. Allez, debout. Vous êtes ravissante. Dieu vous a bien crié haut. Merci, monsieur. Quel est votre nom déjà? Ifendima, monsieur. Ifendima. Oh, vous êtes une Igbo. Oui, monsieur. Hey, les filles Igbo sont belles. Vous êtes vraiment ravissante. Hey, j'adore les filles Igbo. Pas de problème, je vais vous montrer. Allons-y. Merci, monsieur. Écoutez, après que je vous l'ai montré, hein, je vous assure que vous allez l'aimer. Vous allez vraiment l'aimer. Je vais vous montrer. Allons-y. Qui est là? C'est moi, ton bailleur. Monsieur, la porte est ouverte. Ah. Bienvenue, monsieur. Ifedima. Oui, monsieur. Comment vas-tu aujourd'hui?
J'espère que tu as bien dormi. Ouais, monsieur. Monsieur le bailleur, je n'ai pas de chaise dans ma chambre, mais vous pouvez vous asseoir sur mon matelas. Ah, ne t'en fais pas, je vais me tenir ici, hein. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas pour moi. Hein? T'en fais pas. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? C'est une lettre de demande d'emploi. J'ai vu une offre d'emploi dans une boutique. Ils ont demandé que je fasse une demande. Ah, une demande. Une belle fille comme toi n'est pas censée souffrir. Tu n'es pas censée souffrir. Hein? Tu es ravissante. Tu sais, la façon dont nous sommes, hein? Hein? Si tu commences à le faire avec moi, hein? Si tu commences à... Hein? Je prendrai soin de toi. Tu seras au petit soin. Hein? Je sais comment prendre soin d'une femme. Hein? Vraiment? Oui, je sais comment prendre soin d'une femme. Vraiment? Oui. Tu peux aller n'importe où, le demander aux gens. Je suis un bon garçon. Je suis un bon garçon. Ne t'en fais pas, je suis un bon garçon. Je peux même te laisser vivre gratuitement. Je veux dire, tu ne payeras plus le loyer. Hey! Mais oui. Ouais. C'est un petit problème. Mais à une seule condition. Une condition? Oui. Et c'est quoi cette condition? Tu sais que je suis un homme. Et une belle fille comme toi. Hé, hey, tu es très belle. Je voudrais que toi et moi... Que toi et moi fassions... qu'on fasse ce truc. Ce truc-là. Je veux pénétrer. Oui, c'est ça. Monsieur le bailleur, je ne peux pas faire ce genre de choses dans mon état. Je ne peux pas. Écoute, tu dois être patient. Je te donnerai plus tard tout ce que tu voudras. Hein? Hein? Sois juste patient. Que j'attends? Oui. Dans ton état. Hey, ton état est très bien. C'est même à ce moment que les femmes aiment le faire. C'est même à ce moment qu'elles adorent le faire pour qu'elles puissent facilement accoucher. Tu as besoin de quelqu'un qui te touche bien, qui te chouchoute pour que tu puisses bien accoucher. Tu ne le sais pas. Ah, c'est le meilleur moment. Hein? Monsieur le bailleur, je ne peux pas. Je vais bien accoucher, ne vous en faites pas. Je vais bien accoucher, ne vous en faites pas pour ça. Mais merci. Ok, pas de problème. J'ai compris ce que tu as dit. Je vais attendre. Je vais attendre, mais que ça se passe comme tu as dit. Il n'y a pas de problème. Je m'en vais chez maman Caro. Je vais aller prendre un verre, tu vois. Que vais-je faire d'autre? À plus tard, hein. Qu'est-ce que tu fais à rester assise là? Pourtant, il y a des clients qui attendent d'être servis. Et as-tu lavé tous ces plats? Oga, pardon, ne vous fâchez pas, je suis désolée. Tu ferais mieux de t'y mettre. Je n'ai rien à faire de tes excuses. Est-ce que c'est ça qui me donnera à manger? Si ce travail te fatigue beaucoup, sache qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent cet emploi. Tu comprends ce que j'ai dit? Ok, Oga, je vais aller laver ces plats. Allez, va les laver et prends les commandes des clients. Dépêche-toi d'y aller. Ifedima. Ah, où est passée cette fille? Ifedima. Où est passée cette fille au juste? Ah. Où est passée cette fille? Qu'est-ce que... Ifedima. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Mon bébé. Regardez les problèmes. Hey, ton bébé. Hey, s'il vous plaît, les voisins, venez m'aider. Oh, voisins. Hey, vas-y doucement. Ce n'est pas moi qui t'ai enceinte. Ah, hey, désolé. Hey, tu me fais mal. Désolé. Hey, ce n'est pas moi qui t'ai enceinte, mais vas-y doucement. Hey, où sont-ils? Hey, venez m'aider, voisin! Qui est là? J'ai très mal. Je vais essayer, je vais. Hey. Ha. Tu fais du mal. Hey. Ton bébé sort déjà. Hey.
Essaye de t'asseoir. Hein. Laisse-moi appeler les voisins. Essaye de t'asseoir. Hey, assieds-toi, je vais appeler les voisins. Hein? Et c'est comme ça qu'elle t'avait accouché. Malgré le fait qu'elle n'avait pas assez d'argent, elle était quand même heureuse de pouvoir te serrer dans ses bras et fixer ton petit joli visage. Ta naissance a apporté un autre mystère dans sa vie. Quand elle t'allaitait, après deux mois, elle a dû reprendre le travail. Car elle n'avait pas assez d'argent pour te nourrir et elle-même. Hey, Ifendinma. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Comment va la famille? Ils vont bien. Comment va le travail, monsieur? Tout se passe bien. Oga, je suis venue reprendre le travail. Ah, je suis vraiment désolé. Une autre personne t'a remplacé. On m'a remplacé? Oui, une personne t'a remplacé car je ne pouvais plus t'attendre. Attendre que tu viennes. Mes affaires doivent marcher, tu comprends? Mais Oga, ce n'est pas de ma faute, non, hein? Je viens juste d'accoucher, mon bébé a à peine 2 mois. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais là il s'agit de mes affaires, tu comprends? Alors, ce que je peux te dire, c'est d'attendre jusqu'au mois prochain. Il y aura encore une place pour toi. Oga, le mois prochain, c'est loin, non? S'il vous plaît, trouvez-moi juste une place, je vais me débrouiller. Il n'y a pas de place libre jusqu'au mois prochain. C'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Oga, pardon, non? Patiente jusqu'au mois prochain. Oga! On se voit le mois prochain. Qui est-ce qui est là? C'est moi! Qui? Ton bailleur. C'est ouvert. Ah. Jolie demoiselle. Quoi de neuf? Comment vas-tu? Je suis passé te chercher ici, mais tu n'étais pas là. Où étais-tu? Ah, belle demoiselle, pourquoi est-ce que tu refuses de me parler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as commencé à faire des manières, les choses que les belles filles font. Elles font des manières. Hein? Tu sais faire des manières parce que tu es très belle. Tu es vraiment ravissante. ok, ce n'est rien. Parle-moi. Ah, tu es là, tu ne fais que bouder. Qu'est-ce qu'il y a? Belle demoiselle. Oga, pardon, laisse-moi. Hein? Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Pardon, je suis pas d'humeur, pardon. Va-t'en, je suis pas d'humeur. Que je parte. Pourquoi es-tu devenue si distante? Hein? On s'était dit qu'on devait faire nos choses quand tu auras accouché de ton petit. Avec qui est-ce que tu as conclu un marché? Mais avec toi. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi! Oga, laisse-moi tranquille! Regarde cette fille. Maintenant, c'est comme ça. Tu nies tout en bloc. Ah, tu crois que je suis un petit enfant? Hein? Nous avons conclu un marché et on était censé le faire juste après que tu aies accouché. Hein? Quel est ton problème au juste? Hein, belle demoiselle, parle-moi. Tu ne veux pas me parler. Tu n'avais nulle part où aller. Tu te baladais juste avant de tomber par hasard ici. Hein? Tu m'avais supplié en me disant que tu n'avais nulle part où aller. J'ai décidé de te donner un toit. Je t'ai hébergé chez moi, à cause de ton état. Et tu me dois encore 8 mois de loyer non payé. Tu vas me donner mon argent.
Hein? Ah, ah, regardez cette fille. Penses-tu être plus sage que moi? Écoute, tu vas me donner mon argent. Sinon, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je t'assure que tu verras. Maintenant, tu vas ramasser toutes les choses qui sont dans cette chambre et tu vas foutre le compte ici. Tu vas les prendre et t'en aller d'ici. Oga, s'il te plaît, te fâche pas. S'il te plaît, c'est juste parce que mon patron m'a chassé du travail aujourd'hui. S'il te plaît, te fâche pas. Écoute, tout cela ne me concerne pas. Je t'ai dit de quitter cet endroit. Tu vas... Ou bien tu veux que j'appelle tous les villageois pour qu'ils viennent m'aider à te chasser d'ici. C'est ma maison. Je te payerai. Ok, écoute, je trouverai un travail et mon salaire, je te le donnerai. S'il te plaît, pitié de moi. Tu vas travailler. S'il te plaît, pitié de moi et pitié de mon enfant, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton enfant? Est-ce moi qui t'ai enceinté? Va retrouver celui qui t'a enceinté. Hein? Tu es parti donner ton corps à un homme et il t'a enceinté puis il a fui. Et maintenant, tu veux venir m'embêter avec tes problèmes. Écoute. Va-t'en, j'ai dit, va-t'en de cet endroit. Prends tes affaires et va-t'en. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Ah, ah, incroyable. J'ai dit, prends tes affaires et va-t'en d'ici. Ah, ah. Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle décidé de souffrir? N'avait-elle pas des amis ou de la famille qui pouvaient l'aider? Penses-tu qu'elle aurait souffert autant si elle avait où aller? Elle a sûrement une famille. Elle est bienvenue de quelque part. Oui, elle avait une famille. Le fait d'avoir une famille ne veut pas dire qu'elle avait quelqu'un sur qui compter. Comme toi, par exemple. Depuis que tu étais encore un tout petit garçon, jusqu'à ce que tu deviennes un homme, t'ai-je déjà présenté à qui que ce soit comme membre de ma famille? Je suis le seul que tu connais comme membre de ta famille. Maintenant, certaines familles ont des histoires différentes. Certaines sont bonnes et d'autres sont très tristes. Et celle de ta mère n'est pas différente. Elle a perdu ses parents quand elle était encore tout petite. Elle a dû se battre pour elle-même à ce tâche. Elle savait que il n'y avait personne pour l'aider. C'est pour cela qu'elle a commencé à souffrir. Ta mère est allée vivre dans ce bâtiment inachevé pour te protéger de la pluie et du soleil. Mais malheureusement, elle se retrouvait à vivre là-bas jusqu'à ce que je fasse sa connaissance. Oh! Comment tu vas? Je vais bien, bon après-midi. Bonsoir, s'il te plaît, assieds-toi. Merci. Ah. Laisse-moi t'aider. Regarde ce beau bébé. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien.
Alors, qu'en est-il de la fièvre? A-t-elle baissé? Oui, et merci beaucoup pour les médicaments. Ça m'a vraiment aidé. Ah, tu ne fais que me remercier, hein? Ce n'est rien. Cela me rappelle que tu n'es pas allée travailler aujourd'hui. En fait, je me sentais un peu fiévreuse ce matin. Mais je me sens mieux maintenant. Je ne le savais pas. Excuse-moi, puis-je savoir où tu travailles? Oh, désolé, bébé. Alors, quel genre de travail fais-tu? Eh bien, je suis une vendeuse. Je vends les vêtements pour bébé. Une revendeuse? Ouais. Puis-je savoir combien est-ce que tu gagnes? Je gagne 10 000 naira. 10 000 naira? 10 000 naira est trop petit. Comment peut-on survivre avec 10 000 naira dans notre pays? Ah. Ah, bien. C'est mieux que de ne rien faire. Puis-je savoir ce que tu es venu faire dans ma boutique? Es-tu venu pour acheter quelque chose ou veux-tu juste passer du temps avec moi? Discuter avec moi et tu sais... En fait, je suis venue acheter quelque chose. Ouais, mais... Ok, Mathieu, je ne sais pas comment... Je vais te le dire. Je sais que je te dois déjà beaucoup. Mais je te promets, je te rembourserai dès que j'aurai mon salaire. Ifedima, je ne me suis pas plaint. Pas du tout. Hein? Alors, que veux-tu acheter? Que veux-tu? Ok. Je n'ai juste que 300 naira avec moi. Alors, je voudrais que tu me donnes des spaghettis. Je vais me débrouiller. Je vais te donner des spaghettis. Tu as dit des spaghettis, n'est-ce pas? Ouais. Juste des spaghettis. Ouais. Mon petit bébé. As-tu du savon? Je vais te donner du savon. Non, bébé. Petit. Mère et fils, je vais aussi lui donner des biscuits. Les œufs sont bien pour le bébé. Bisous. Ok. Prends ça. Ah. Ok, Mathieu. Oui. Prends ça. Je t'ai seulement demandé les spaghettis. Oh, j'ai seulement 300 naira. C'est bon, je ne me plains pas. Ça ne me dérange pas. Oh. Ça ira. Ok. Oh. Je l'ai fait pour toi et le bébé. Ok, Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Et ça recommence encore. Tu ne fais que me remercier. Ça ira. Hein? Hey, merci beaucoup. Et je vais aussi le porter. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Tu m'as vraiment effrayée. Je suis désolée. C'est bon. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Je suis juste venue. J'espère que tu n'es pas fâchée. Non, je vais bien. C'est juste que je ne suis pas confortable ici. Je ne suis pas à l'aise. De toute façon, sois le bienvenu. Merci. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis à l'aise ici. Voulais-tu que je te file un coup de main? Non, c'est bon. Alors, donc, c'est ici que tu vis? Pour un moment, oui. D'accord.
J'imagine que tu rends cet endroit agréable pour vous. Très drôle. De toute façon, si tu le dis, bienvenue dans ma modeste demeure. Mais ne sois pas offensé. Je me demande bien pourquoi est-ce que tu as laissé ta boutique et toutes tes affaires importantes pour venir me voir. Bien, je me disais que il y a des choses intéressantes que je devrais connaître sur toi. Des choses intéressantes? Crois-moi, il n'y a rien, absolument rien à savoir sur moi. Venant de quelqu'un qui vit dans un bâtiment inachevé avec son bébé, pour être franc avec toi, tu attires mon attention. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et depuis combien de temps est-ce que tu vis ici avec ton bébé? Je suis désolé d'en parler. Je ne connais pas vraiment ton histoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vis ici avec ton bébé. Mais peu importe ta situation, si... Bien, si tu ne veux rien dire, je comprendrai. Crois-moi, je vais parfaitement te comprendre. Ce n'est pas ça. C'est juste que j'essaye de le garder pour moi. Parce que je pleure à chaque fois que j'y pense. Ça me rend triste. Vivre seul dans cet endroit, sans aucun compagnon, ni personne d'autre, empire encore ta situation. Tu n'as pas besoin de me le cacher. Ifedima, je voudrais vraiment savoir ce qui t'est arrivé. Dis-moi, je voudrais savoir. Ifedima, te confier te permettra de trouver une solution. Je voudrais vraiment connaître ton histoire. La raison pour laquelle je suis venue ici, c'est parce que on m'a chassée à l'endroit où je vivais avant. C'est un endroit non loin d'ici. Le propriétaire de cet endroit était une personne alcoolique et il me faisait la cour. Il a essayé de coucher avec moi. Quoi? Et j'étais encore enceinte. C'est horrible. Pourquoi quelqu'un voudrait-il coucher avec une femme enceinte et en détresse? Je ne sais pas à quoi pensent certaines personnes. J'ai essayé de détourner son attention. Jusqu'à ce qu'il lise clair dans mon jeu. Alors, il n'a pas hésité de me chasser de chez lui. Je me demande à quoi pensent certaines personnes. C'est vraiment triste. Non. Bah, Mathieu, tu ne peux pas faire ça. Et je ne pourrais plus continuer à résister. Je pourrais emprunter de l'argent chez Pierre, mais oh, je n'ai pas fini de rembourser ma dette. Il ne mérite pas ça. L'endroit où il reste n'est pas sécurisé. Surtout pour ce bébé. C'est très dangereux. Hey, il faut que je les aide. Ils ne peuvent plus continuer à vivre dans cet endroit. Patron Mathieu. Ah, ah. Patron Mathieu, bon après-midi. Patron Mathieu. Ah, ah. Comment tu vas dormir à 7 heures de la journée? Désolé, ah, ah. Je ne t'ai pourquoi pas vu. Dormir comme ça, non? Je suis vraiment désolé. Tu dors comme l'un de mes amis qui s'appelle Ebuka, qui dort bêtement après avoir fumé ces choses bizarres. Calme-toi. Ah, ah. Ah, ah. Qu'est-ce que tu vas acheter? Donne-moi une bouteille de coca. J'espère qu'il est bien glacé. Hein. Il est frais. Hein, viens avec. D'accord. Je n'arrive pas à comprendre les gens d'ici, quoi. Comment tu peux dormir en plein milieu de la journée comme ça pour tes clients? Ah! Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est tout ce qu'il y a. S'il te plaît, mets ça dans un sachet.
250 naira. Et c'est combien je te dois? Je n'ai pas de monnaie, tu repasseras chercher ta monnaie. T'es mon frère, moi je vais pas revenir. Venir te voir en train de dormir bêtement comme quelqu'un qui a fumé la drogue. C'est pas une tes bêtises là, c'est à moi quoi. Il faut rentrer ta demi ma monnaie qui était ici. Écoute ta boisson qui n'est même pas glacée là, tu fais le malin. Tiens, faut faire vite, non, y'a quoi? Ah ah. J'arrive. Bonjour, Efidima. Oga Mathieu, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Mais, Oga Mathieu, je pensais que tu allais venir en soirée. Oui, j'ai changé d'avis. Et effectivement, il s'agit d'une affaire d'urgence. Une affaire urgente? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent que tu veuilles me le dire? Je n'ai rien à te dire. Quoi? Je voudrais plutôt te montrer quelque chose. Alors, va chercher le bébé et on s'en ira. D'accord. Ok, dépêche-toi. Oga Mathieu, alors où est-ce qu'on va? Ne t'en fais pas, tu sauras quand nous y serons. Allons-y. Pendant combien de temps vas-tu me laisser dans cette curiosité? Efidima. Calme-toi, je suis désolé de t'avoir dérangé. Calme-toi, bientôt tu sauras tout. Ok? Allons-y. Bienvenue. Alors, c'est ici que tu vis? Non. C'est en fait l'endroit que j'ai loué pour toi et le bébé. Attends, Oga Mathieu, genre, t'es sérieux? Tu m'as loué une maison? Exactement. Ah, Oga Mathieu, merci beaucoup. Ça va, lève-toi. Oga Mathieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est bon, lève-toi. Lève-toi. Hey. Ok. Ah. J'ai payé pour un an. Alors, ton bébé et toi pouvez rester ici. Ah, Oga Mathieu, merci beaucoup. C'est mon Dieu qui m'a récompensé. C'est bon. Oga Mathieu, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. C'est bon. Hey. Amen. Il faudra venir dans ma boutique. Je te donnerai 100 000 naira. Je propose que tu l'utilises pour débuter une affaire qui te sera rentable. Ah, Oga Mathieu, merci beaucoup. Je ne saurais comment te remercier. Oga Mathieu, merci beaucoup. Que Dieu continue à te bénir. C'est bon. Ah. C'est bon, ok. Hey. Fais comme chez toi. Et quand tu seras libre et que tu as besoin de quoi que ce soit, passe à la boutique, ok? Ok, monsieur. Ok, je serai à l'église. D'accord, prends soin de toi. Oga Mathieu, bye-bye. Ah, Seigneur, bénis-le, je t'en prie. Ça a vraiment été une histoire triste.
Ta mère avait commencé à vendre de la nourriture. Parce que cet argent n'était pas suffisant pour ouvrir une boutique. Elle vendait de la nourriture dans tout le quartier avec une bourrette. Elle se faisait bien de l'argent. Ta mère était une femme très intelligente. Elle me manque tellement. Et maintenant que tu m'as tout dit, il semblerait que ma mère n'avait que toi. Est-ce qu'il y avait un genre de relation entre vous? Étiez-vous amoureux? Non. Nous n'étions pas amoureux. Mais j'étais toujours là pour elle. Car elle souffrait à cause de toi. Plus le... Plus le temps passait et plus ses sentiments grandissaient. Allô? Mimi, comment vas-tu? Inoko Fuma. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Mimi? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Jésus! Un AVC! Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, quel est ce genre de problème? Quel est ce genre de problème? Que signifie tout ceci, hein? Alors, qu'ont-ils pu faire, hein? Hey! Bien, ok, combien faut-il? Mon Dieu, hey! Où vais-je trouver cet argent? C'est trop pour moi, hein? 250 000 naras, c'est trop beaucoup. Où vais-je trouver cet or? Mimi, hein? Je comprends, hein? Je promets faire de mon mieux pour trouver cet argent, hein? Je verrai comment trouver cet argent. Je serai au village demain matin, hein? Ne pleure plus. Ne t'en fais pas, hein? Je serai là, d'accord? Ça va aller, tout ira bien. Oga Mathieu n'est pas venu à la boutique aujourd'hui.
Allô? Oga Mathieu, bonjour. Comment vas-tu? Oga Mathieu, je t'ai apporté à manger, mais la boutique est fermée. Oh, je suis désolé de t'avoir pas dit. Je suis en route pour mon village. Quoi? T'es en train d'aller au village? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, je suis vraiment désolé. Il y a eu un incident. C'est vraiment urgent. Et je dois y aller. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne peux pas te le dire maintenant. Je te dirai tout quand je serai de retour. OK? Oga Mathieu, ce que tu me dis ne me rassure pas du tout. Et tu le sais, ça. Tu savais que j'allais passer à ta boutique aujourd'hui, mais tu ne m'as pas dit que tu allais voyager. Et j'ai l'impression que tu ne veux pas me dire vraiment ce qui se passe. Je t'ai dit que j'étais désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé, hein? Ne t'en fais pas, je te dirai tout quand je serai de retour, hein? C'est urgent, je dois régler quelques affaires au village. OK, tu me diras tout quand tu seras de retour, tu me diras tout. D'accord. À vos ordres, ma chère madame. OK, d'accord, fais un bon voyage. D'accord, prends soin de toi, OK? Ne t'en fais pas, je serai de retour. Je serai de retour dans 2 ou 3 jours. Au revoir. Ah, Tai, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Allô? Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, je vous payerai. Je sais que je vous dois de l'argent. Hein? Je vous payerai, monsieur. Je vous payerai, je vous le promets. Venez ouvrir ma boutique et je vous payerai. Hein? S'il vous plaît. Comment tu vas? C'est bon, calme-toi. Fidima, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. S'il te plaît, peux-tu venir au poste de police? Celui qui est près de l'église de Saint-Pierre. Je dois te voir maintenant, s'il te plaît. Quoi? Ah, qu'est-ce que tu fais en poste de police? Est-ce que tu es revenu du village comme prévu? Oui, je suis rentré hier. Mais je me suis fait arrêter ce matin. Arrêté? Alors comme ça, tu es revenu du village et tu ne m'as pas dit? Je voulais t'appeler ce matin. Mais je me suis fait arrêter. Je suis désolé. OK, c'est bon. Alors, c'est quoi le problème? Nous ne pouvons pas en parler maintenant. Viens juste au poste de police, si tu peux, pour que je puisse sortir de cet endroit. OK, donne-moi un instant, j'arrive. Écoute, effectivement, tu es fâché. Je peux le voir dans ton visage. Tu as le droit d'être fâché. Je suis désolé. En effet, je ne voulais pas te le dire pour certaines raisons. Alors, c'est quoi ces raisons? Est-ce que c'est parce que je t'ai dit que je suis une fille pauvre et stupide qui a besoin que les gens l'aident? Tu ne crois pas que je puisse t'aider, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît. Allez, je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas m'aider. Je n'ai pas dit cela. Je me suis dit que tu devrais te préoccuper des choses plus importantes, comme le bébé et toi. Je suis désolée si je t'ai donné cette impression. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a empêché de m'informer lorsque t'as appris que ton père n'allait pas bien? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé lorsque t'étais de retour en ville? Tu as emprunté de l'argent à la banque à cause de moi. Arrivé à échéance, t'as pas pu rembourser. Et t'as pas trouvé juste de me le dire? Il a fallu qu'on arrive à un point où tu n'as plus aucune option que de m'appeler. Je suis désolé.
Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. C'est bon, t'as pas besoin de t'excuser aussi. Mais promets-moi, dorénavant, il n'y aura plus aucun secret entre nous. Ok, plus de secret. C'est bon. Alors, comment va ton père? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il a fait une attaque. Oga Mathieu, je suis vraiment désolée pour ça. Merci. Ma cousine m'a appelée et elle m'a dit que mon père avait fait une crise et ne pouvait plus marcher. Il était paralysé d'un côté. Alors, c'est pour cela que je suis allée au village. D'accord, j'espère qu'il va mieux. Oui. Mais promets-moi que dorénavant, il n'y aura plus de secrets entre nous. Ok, plus de secrets. C'est bon. Alors comment va ton père? Qu'est-ce qui lui est réellement arrivé? Ah, grande dame. Bienvenue. Prends place. Je vais chercher une autre chaise. Ah, grande dame. Bienvenue. Oga Mathieu. Grande dame, comment vas-tu? Je t'ai apporté à manger. Oh, merci. On dirait que tu savais que j'avais faim. Ah, je le mangerai plus tard. Oga Mathieu, je vais me rendre au marché maintenant. Je voudrais aller acheter à manger pour la journée de demain. Ah, je ne vais pas mettre long. Ma femme d'affaires. Alors, Oga Mathieu, je ne mettrai pas long, d'accord? Un instant, pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas avec Ifani Chuko, hein? Hein? Ça pourrait au moins t'aider à aller plus vite dans ce que tu feras au marché. Je prendrai soin de lui. Oga Mathieu, il ne va pas te déranger? Non. C'est un jeune homme. Ifani Chuko, dis à ta mère que tu seras sage. Il est en train de rire. Il rit. Laisse-le avec moi, je prendrai soin de lui. Mon fils, je prendrai soin de lui. Ok. Alors, vas-y, prends-le. Merci. Imimao. D'accord. Écoute, cela me rappelle, hein, il y a quelque chose d'important dont je voudrais qu'on parle. Quelque chose d'important? Oui. Qu'est-ce que c'est? On en parlera quand tu seras de retour. Hein? D'accord. Il rit. Je ne mettrai pas l'ordre. Oh, Ifani. Au revoir, maman. Oh, oh, beau bébé. Hé, hey. Regarde-toi, tu as grandi. Tu as grandi. Aïe, j'ai une surprise pour toi. Et quand ta mère reviendra, je lui ferai une plus grosse surprise. Hein? Voilà ce que j'ai pour toi. Tu vois? Tu vois?
bientôt je serai ton beau-père. Ne t'en fais pas, je prendrai soin de toi comme mon propre fils. Je prendrai soin de toi. Tu seras heureux avec moi. Regarde ça. Souris, papa t'aime. Souris. Allez-vous, madame? Ah, s'il te plaît, amène-moi au marché. Ça marche? Comment tu es belle? Ah, attends, non. C'est pas de l'amusement. Je veux qu'on se voie un peu. Je veux qu'on parle un peu. Pardon, arrête tes conneries. Allons-y. J'ai pas de temps à perdre. J'ai des sentiments pour vous. On peut aller deux. Pardon, Dimar. Pas de problème. Je t'emmène. C'est ma moto. Je t'emmène où tu veux. Ne t'inquiète pas. Calme-toi, s'il te plaît. Ah, c'est ma moto, non. Ne t'inquiète pas. Même si tu as parti là, tu es pas parti là-bas. Hein. Pas avoir peur. C'est champion, faut te calmer, qu'est-ce qu'il y a? Elle a eu un accident. Jésus. Sur la route du marché. Oh, oh, comment? Passons, allons-y. Comment? Dépêchez-vous, dépêchez-vous, allons-y. 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 Sa mort m'avait totalement dévasté. Vous avez sauvé ma vie. Vous m'avez prévenu. Ne pas sortir cette nuit-là. Oui. Tu as eu de la chance. Ça s'est vraiment passé. D'accord. Qui est mon père? Ton père est Ezena, le fameux roi du royaume d'Obiadi. Votre Majesté, je crois que Chief Anosier a raison. Il a raison. Je veux dire, à mon humble avis, si vous voulez mon avis, je dirais que nous devons prendre ce terrain, construire une clôture autour de ce terrain. Mobiliser les jeunes afin qu'ils sécurisent ce terrain, car nous devons le prendre. Oui. Non, non, mon fils. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Tu sais, si nous adoptons cette méthode, eh bien, les gens le verront comme si nous voulons prendre ce terrain. Nous avons adopté cette méthode il y a plusieurs années. Et la suite,
c'est que le résultat fut catastrophique. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de nos jeunes sont morts lors de cette bataille, cette confrontation avec le peuple des Wolo. Mon roi, je crois que je partage votre avis concernant ce cas. Ce que nous voulons suggérer de faire, c'est que nous options pour une méthode plus diplomatique. Votre Majesté, vous avez dit diplomatie. Ces gens sont très, très violents et ils ne voudront jamais discuter posément. Oui, peut-être. Parce que nous avons aussi été violents envers eux. Est-ce que tu comprends? Nous avons aussi à notre tour été violents envers eux et c'est normal qu'ils se défendent. Es-tu prêt? Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment concernant tout ceci. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Puis-je savoir ce que vous voulez? J'espère que ceci est le palais du roi Izena. Oui, ça l'est. Ok, nous sommes venus le rencontrer. Et c'est très, très important. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes là pour le roi? Oui, c'est ça. Est-il au courant de votre venue? Non, il n'est pas au courant. Mais nous sommes venus pour quelque chose de très important. Alors, que dois-je lui dire? Il ne nous connaît pas, mais c'est Ifedinma qui nous a envoyés. Une servante qui a travaillé ici il y a longtemps. Ok, un instant, je serai de retour. D'accord. Ok, Votre Majesté. Je vais vous poser une simple question, père. Comment allez-vous utiliser cette méthode diplomatique pour arrêter cette guerre entre le royaume des Kuelo? Pourtant, cette guerre existe depuis des années sur cette fameuse terre. Eh bien, c'est très simple. Nous allons nous asseoir et nous aurons un dialogue avec le roi. Il comprendra. Et ce terrain a beaucoup de richesses. Nous pouvons, tu sais, arriver à avoir un profit mutuel au travers d'un dialogue et d'un accord. Votre Majesté, si nous avions une quelconque négociation et que nous ne prenons pas 100% de ce terrain, ça veut dire qu'ils abusent de nos droits. Ce terrain nous appartient légalement. Et tiens, Noche, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais que ces deux royaumes se battent pour ce terrain depuis très longtemps. Et en conséquence, personne d'entre nous n'a été déclaré propriétaire de ce terrain. Alors comment peux-tu dire que ce terrain nous appartient? Tu veux une autre guerre? Non, c'est vrai. C'est très simple, à mon humble avis. Je pense que nous devons prendre ce terrain par la force. Oui. D'accord, d'accord. S'il vous plaît, accorde-moi un moment, je vous en prie. Je reviens tout de suite. Attendez que je revienne. Le roi sera de retour. Tu as dit il fait des mains. Oui. Ce nom me semble familier. Il y a très longtemps. Alors, qui sont ces gens? Ils ont dit que vous ne les connaissez pas, Majesté. Ils ont dit que c'est Ifendima qui les a envoyés, Majesté. J'imagine qu'ils veulent vous rencontrer personnellement. Ah, ok. Amène-les dans la cour, hein, et installe-les. Je vais d'abord finir la réunion. Et s'il te plaît, ne dis absolument rien à personne les concernant. À vos ordres, Majesté. Bien. Mon gardien m'a dit que vous venez de la part d'Ifedima. Hein? Oui, Votre Majesté. Votre Majesté.
J'espère que vous vous souvenez d'Ifedima. Oui. Elle a travaillé ici il y a de cela plusieurs années. Votre Majesté. Cette relation que vous avez eue avec Ifedima a conduit elle est tombée enceinte. Et le résultat de cette grossesse, votre Majesté, est ce jeune homme assis près de moi. Comme ça, Ifedima était enceinte de moi dans cette maison. Et elle ne me l'a pas dit. Elle a disparu pour Dieu seul sait où. Elle a accouché et elle ne me l'a pas dit. Je n'ai plus aucune nouvelle d'elle, ni celle du bébé jusqu'à présent. Maintenant, vous débarquez dans mon palais pour me dire que ce jeune homme bien mature est mon fils. De quoi est-ce que ça a l'air pour vous? Est-ce que ça n'a pas l'air d'une plaisanterie? Ok, ok, attendez un peu. Où est Ifedima en ce moment? Votre Majesté, ça fait longtemps qu'elle est morte. Je suis vraiment désolé. Mais quand même, cette histoire que vous venez de me dire est vraiment incompréhensible pour moi. Cela ne me convainc pas du tout que ce jeune homme est mon fils. Votre Majesté, un test ADN pourra tout confirmer. Quoi es-tu tout ce mouchardage et également toutes ces histoires? J'ai vu la réaction de mon mari quand tu lui as chuchoté quelque chose à l'oreille. C'est si étrange. Qui étaient ces hommes? Je suis désolé, Votre Majesté, mais je n'ai pas l'autorisation de vous révéler quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un ordre, Votre Majesté. Tu sais, c'est tellement amusant que quelque chose se passe dans ce palais et toi, personnellement, décides de me le cacher. Ouzo, je te le demande encore. Que se passe-t-il? Votre Majesté, vous ne me comprenez pas, s'il vous plaît. Je n'ai absolument rien à vous cacher. Ceci doit être une affaire que le roi voudrait gardez confidentiellement. Mais si vous insistez, vous pouvez aller le lui demander. Vraiment? Oui, Votre Majesté. C'est bon, ça va. Tu peux disposer. Merci. Fils, je t'avais dit de rester en dehors de ça. C'est mon problème et crois-moi, je vais m'en occuper. C'est ton problème, n'est-ce pas? Oui. Père, tu te comportes d'une manière bizarre dans ce palais. C'est vraiment très étrange. Je voudrais savoir quel est le problème. Mais tu me laisses en dehors de ça. Personne ne te cache quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste une situation. Et je sais que tu n'as pas le pouvoir de prendre une décision à ce sujet. Tu ne me comprends pas, père. Je veux tout simplement dire que même si je n'ai pas le pouvoir de prendre décision dans ce palais, n'ai-je pas au moins le droit de savoir ce qui ne va pas? Dis-moi. Très bien, mon fils. Ok, ne t'en fais pas, mon fils. Tu le sauras très bientôt. Où est mon téléphone? Ah. Où est le numéro de ce docteur? Allô? Oui? Docteur?
Bonjour. Comment va votre famille? Ah, nous allons bien. Nous allons bien. Il y a une situation très grave et embarrassante qui est arrivée ici au palais et je sais que vous allez être d'une très grande aide. Oh non, 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 personne n'est malade, personne n'est malade. J'aimerais que vous fassiez un test d'ADN. Oui. Oh, vous êtes en train d'arriver. C'est d'accord, je vous attends. Bien. Père! Oui. T'ai-je entendu parler de test ADN? Un test ADN, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce palais? Mon fils, ne t'en fais pas, tu le sauras très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon, calme-toi. Maman, tu m'entends? Oui. Peux-tu imaginer? Papa vient d'appeler le docteur pour faire un test d'ADN. Oui! Un test d'ADN! Oui. Mère, je dois faire quelque chose, s'il te plaît. Ah, ok. Merci. Prenez place, monsieur. Ah, docteur. Bonjour. Soyez la bienvenue. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Bien. Désolé de vous avoir fait attendre. J'avais beaucoup de choses à faire. Ah, ça ira. Vous êtes là maintenant, donc est-ce qu'on peut? Oui, monsieur. Hein? Mais où est l'autre personne? Approche. Va m'appeler ce jeune homme. Come the delay, destiny cannot change. Whatever will be, it will be. No matter what you do, you cannot change. Nous y voilà, docteur. Voilà le jeune homme en question. Oh, ok. Nous allons faire le prélèvement. Comment un homme âgé comme ça peut venir au palais et commence à s'identifier comme le fils de nos trois? Ma sœur, je suis autant confuse que toi, sérieux. Alors, qu'est-ce que le roi a dit par rapport à ça? Oh! Mon père dit que le test d'ADN a été fait, donc on attend juste les résultats. Vraiment? Je t'assure. Allons vite au machin. T'as raison, allons-y. Désolé de vous le demander, Votre Majesté. Mais à quoi peut bien vous servir un test ADN dans un palais royal? Eh bien, docteur,
Ne vous en faites pas pour les détails, ok? Je voulais vous dire que peu importe les résultats, je veux dire du test d'ADN, peu importe ce que sera ce résultat, je voudrais que vous disiez à mon mari qu'il n'est pas le père de ce bâtard. Je vous donnerai 4 millions de naira. Je vous donnerai 2 millions comme premier versement. Et le reste une fois le travail terminé. Je suis désolé, Votre Majesté. Mais je pense que vous me mettez dans une situation difficile. Et si je fais ce que vous me demandez de faire, et que le roi décidait de faire ce même test ADN ailleurs, avez-vous pensé à ça? Docteur, vous savez à quel point mon mari vous fait confiance. Il vous fait totalement confiance. Il n'y a absolument aucune raison pour laquelle il doutera des résultats que vous lui donnerez pour qu'il puisse aller les contester, et ça, vous le savez. Alors, 2 millions de naira maintenant, 2 millions de naira plus tard. Donc, j'imagine que nous avons conclu le marché. Je vous fais le transfert maintenant. Je crois que j'ai encore vos coordonnées, alors je le fais à l'instant. Mère, je n'arrive pas à croire que père t'a fait tout ceci. Eh bien, il a fait. Ah! Mais il y a de cela très longtemps. Tu vois ça? Maintenant, son passé l'a rattrapé. Hey, ça l'a rattrapé. Et comment est-ce que les gens de ce royaume le verront quand ils sauront que le roi a couché avec sa servante? Eh bien, tout le peuple ne le croirait même pas. Ils ne le sauront pas, et même s'ils le savent, ils verront ça comme un mensonge. Mmh. Oui, ne t'en fais pas. Le docteur est là. Je m'en occupe, ok? Bonjour, docteur. Bonjour, Votre Majesté. Soyez le bienvenu. Oui. Docteur, quels sont les résultats? Essayez de vous calmer. Calmez-vous, mon prince. Je sais que cette situation vous rend vraiment très nerveux. Mais votre mère s'en est occupée. Je te l'ai dit. Hein? Je te l'ai dit. Mère, je vais perdre mon sang-froid. Je vais perdre mon sang-froid. S'il te plaît, calme-toi. Mais puisque vous tenez absolument à connaître les résultats, pourquoi ne pas me suivre à l'intérieur? Bien D'accord? sûr. Allons-y. Can be delayed. Destiny cannot change. Whatever will be, will be. No matter what you do, you cannot change. Iye chukukuru eku. Yeah, 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 yeah. Yeah. Whatever will be, will be. Alors, docteur, pourquoi ne pas nous dire quels sont les résultats? C'est compris, Votre Majesté. Bien, après avoir fait des examens avec des échantillons de cheveux, j'ai découvert que ce jeune homme est effectivement votre fils, Votre Majesté.
Vraiment? Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai découvert. Je crois que j'en ai terminé ici. Je vais devoir prendre congé. Au revoir, Majesté. C'est bon, allez-y, docteur. Des mensonges! C'est du n'importe quoi! Docteur! 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 Mère, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Docteur! C'est quoi ça, mère? C'est quoi tout cela? Tu croyais que tu t'étais en chargé? Je l'ai fait, fiston. Si tu l'as fait, alors qu'est-ce que ce stupide docteur racontait? Hein? Il jouait certainement à un jeu. Il jouait à un jeu? Mère, tu penses vraiment que ça a l'air d'un jeu? Quel genre de jeu? C'est quoi ce jeu? Comment cet étranger peut-il faire partie de cette famille? S'il te plaît, fais quelque chose. D'accord, je le ferai. Mais calme-toi. Ok? Je ne veux pas me calmer. Mère, fais quelque chose. Je le ferai. Quelqu'un doit arrêter père de commettre cette folie. Sinon, je ferai quelque chose qu'il ne va pas aimer. Tu me connais très bien. Je ferai quelque chose que tout le village en parlera. S'il te plaît. Calme-toi. Ok? Calme-toi. Allô? Alors, c'est comme ça, n'est-ce pas? Écoutez, je ne vous ai pas demandé de tuer qui que ce soit. Écoutez, surtout surveillez vos mots quand vous me parlez. Je suis la reine. D'accord. Sachez juste que vous avez créé de graves ennuis dans ma famille. Oh, s'il te plaît. De quoi est-ce qu'il parle, mère? Hein? Mère? Des conneries. Oh! C'est quoi tout ceci? Ha! Pour être franc avec toi, je ne pourrais assez te remercier pour ce que tu venais de faire. Ça demande beaucoup de courage et de sagesse à un homme de faire ce que tu as fait. Mon fils n'aurait pas su d'où est-ce qu'il venait si ce n'était pas grâce à toi. Donc, en guise de remerciement, je vais te transférer 3 millions de naira. Ouais. Votre Majesté, 3 millions de naira. Pour moi, ce n'est pas clos. Non, je pense que tu mérites plus que ça. Mais, chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, appelle-moi juste, d'accord? Hein? Tu seras toujours la bienvenue ici. Quel que soit ce que tu voudras, je vais m'assurer que tu l'es. Aïe! Votre Majesté, vous avez un grand cœur. Mais j'aimerais vous demander une faveur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, Ifaini est asthmatique. Comme vous pouvez le voir, votre femme et votre fils sont remontés face à cette situation. Alors, je voudrais que vous le protégiez. Prenez soin de lui. Non. Surtout, ne t'en fais pas pour ça. Je vais vraiment m'assurer qu'il soit protégé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Je vais m'assurer, tu sais, qu'il ne subisse du tout aucun stress et tout ira bien. C'est mon fils après tout. Votre Majesté, que Dieu vous bénisse. Merci. Mon prince, votre boisson.
Désolé, je ne bois pas d'alcool. Non, c'est sans alcool. Ah, désolé. Je ne veux pas boire ça, merci. Désolé, mon prince. Dois-je le ramener? S'il te plaît. Désolé du dérangement. Ne vous en faites pas, mon prince. Mon prince, votre père voudrait vous parler. D'accord, j'arrive. Je ne sais pas comment le dire, mais je voudrais que tu saches que la façon dont les choses se sont passées, tout n'était pas entièrement de ma faute et je suis profondément désolé. J'ai peut-être causé à ta mère et à toi, tu sais, beaucoup de tort. Mais je suis profondément désolé. Je voudrais que tu saches que je suis prêt à me racheter. Et je ne sais pas comment tu vas te sentir par rapport à ça. Je voulais savoir, je voudrais savoir comment ta mère et toi réussissiez à survivre là-dehors sans moi. Peut-être devrions-nous commencer par toi. Dis-moi. Dis-moi comment une femme innocente qui travaillait pour toi, a fait pour se retrouver enceinte de toi. C'est une longue histoire. Vraiment longue. Ma reine. Oui, mon roi. Pourquoi fais-tu cette tête? Quel est le problème? Qu'est-ce qui te dérange? Comment ne vais-je pas faire cette tête quand j'ai le devoir de te donner un enfant? Mon roi, le fait de ne pas enfanter me stresse beaucoup. Et ça recommence, et ça recommence. Combien de fois t'ai-je dit d'être patiente? On aura des enfants, on aura... Quand? Mon roi, mais quand? Ils viendront, mais quand est-ce qu'ils viendront? Nous sommes mariés, ça fait déjà des années. Et jusque-là, pas d'enfants dans notre famille. Ma reine, le docteur nous a rassurés que nous sommes en santé, que tout allait bien. Alors détends-toi, détends-toi, ils viendront. C'est exactement ça mon problème. Oui. T'es en santé et je suis en santé. Alors, pourquoi ne conçois-je pas? Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas avoir d'enfant, mon roi? Pourquoi? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi tu te fais tellement de soucis. Je suis le roi et tu es la reine. Je voudrais avoir un héritier pour le trône. Mais sois juste patiente. Ils viendront. En passant, qu'en est-il des médicaments que le docteur t'a prescrits? Est-ce que tu en prends toujours? J'ai terminé de prendre les médicaments. Et toujours rien jusque-là. Ne t'en fais pas, ma reine. Ne t'en fais pas. Très bientôt, nous aurons nos propres enfants. Tu me feras des garçons et des filles. Hein? Calme-toi.
C'est bon. Allez. Je vais continuer à attendre. Ne t'en fais pas. Whatever you are meant to be. Oh, that you shall be, no matter the circumstance, no matter the pain, no matter the circumstance. Ye chukukuru kage me. Oh, I just walk a kawada, walk a jeune fille. Bonjour, Majesté. J'espère que je ne t'ai pas fait peur. Bien, je ne voulais pas t'effrayer. Votre Majesté, vous voulez que je fasse quelque chose pour vous? Oh non, 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 non. Je ne faisais que me balader dans le palais. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je fasse quelque chose pour vous? Ne t'en fais pas. Alors, depuis combien de temps es-tu dans ce palais? Ça fait environ une semaine, Votre Majesté. Oh, je vois, je vois. Y a-t-il un problème, Votre Majesté? Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Es-tu de ce village? Non, Votre Majesté, je suis du royaume d'Omuzé. Oh, Omuzé, je comprends. Ce n'est pas très loin de ce royaume. J'avais l'habitude d'aller à Omuzé tout le temps. Votre roi est mon meilleur ami. C'est vrai, Votre Majesté. Vous êtes vraiment célèbre. Tout le monde vous connaît dans mon village. Je sais, je sais, je sais, je sais. Alors, dis-moi, qui sont tes parents? Le nom de mon père est Isuchuku, de la famille d'Otoro. C'était un très grand forgeron. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Ma mère également. Oh, oh, je suis vraiment désolé pour cela. C'est bon, Votre Majesté. Alors, comment t'appelles-tu? Mon nom est Ife Dinma, Votre Majesté. Ife Dinma. Ife Dinma. Quel très beau nom. Ife Dinma. Ife Dinma, je dois avouer que tu es une très belle fille. En fait, ta beauté pourrait faire fondre le cœur de tout homme. Et le faire tomber amoureux aussi vite. Merci, Votre Majesté. Écoute, je n'essaye pas de te flatter. Ife Dinma, quel est le problème? J'espère que tu n'es pas mal à l'aise. Non, Votre Majesté. C'est juste que je dois terminer ce que j'étais en train de faire avant que la reine ne soit de retour. D'accord, d'accord. Tu peux continuer à te concentrer sur ton travail. Je te verrai plus tard. Waouh! Ma reine, tu es magnifique! Merci, mon roi. Et où est-ce que tu vas? Les examens de routine, t'as oublié? Oh, 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 j'avais oublié que c'était à faux aujourd'hui. T'oublies toujours. En tout cas, chérie, je suis déjà en retard, je dois partir, ok? D'accord, s'il te plaît, ne mets pas long là-bas. Pas du tout. J'essaierai de parler au docteur.
Ok, ok, je m'en vais maintenant. Ok, au revoir. Onya kaya di ocha, onweri here me ya. Oh, uche madu, ampoyo che chuku. Oh, jeune fille, comment tu vas? Votre Majesté, vous êtes là? Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, Votre Majesté. Tu as été occupée à faire le ménage depuis ce matin. N'es-tu pas fatiguée? Votre Majesté, c'est pour ça que je suis ici. C'est mon devoir. Je le sais. Je sais que c'est ton travail. Mais au moins, tu dois te reposer. Tu travailles tellement dur. Je veux que tu te reposes et que tu profites un peu. Votre Majesté, ce n'est pas possible dans cette maison. Ce n'est pas possible. C'est possible. Tout est possible. En fait, je voudrais que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire. Et que tu te détendes, et que tu profites avec moi. C'est compris? Je ne comprends pas où vous voulez en venir, Votre Majesté. Écoute, tu comprends parfaitement tout ce que je veux te dire. Ifedinma, je suis amoureux de toi. Oui, et je veux que tu te détendes, et que tu profites avec moi. Tu dois jouer avec moi. Je suis désolée, Votre Majesté, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon pour un homme de votre statut, votre réputation. C'est pas une bonne idée. Ifedinma, ceci n'a rien à voir avec ma réputation ou mon statut, hein? Votre Majesté, qu'en serait-il si la reine l'apprend ou alors nous surprend? Es-tu celle qui le dira à la reine? Est-ce que tu lui diras? De plus, la reine n'est même pas là. Elle est allée à l'hôpital. Et elle n'est pas prête de revenir maintenant. Détends-toi. Prends plaisir avec le roi. Je suis désolée, mon roi, je ne peux pas faire ça. Essaie de te détendre. Tu es avec le roi. Votre Majesté, je ne peux pas faire ça. Détends-toi. Allez, allonge-toi. Je vous en prie, je ne peux pas faire ça. Bonjour, Majesté. Vous deux, à genoux, maintenant. Vous nous avez appelés, Votre Majesté. En effet. Pourquoi m'avez-vous menti? Ferme-la. Pour votre information, Chioma, ici présente, m'a déjà tout raconté, ce que vous lui avez dit plus tôt. Et quand je vous ai questionné, vous avez dit ne rien savoir. Nous sommes désolés, Votre Majesté. Nous ne voulions pas causer d'ennuis dans ce palais. Vraiment? Vous vous êtes de ce fait attiré des ennuis. Maintenant, parlez. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Il s'agit du roi Ifedinma. Il semblerait qu'il se soit beaucoup rapproché dernièrement. Surtout le roi. Ils passent beaucoup de temps ensemble, quand vous n'êtes pas là. Quoi? Tu es sûre de ce que tu me dis là? Es-tu sûre de cela? Oui, Votre Majesté. Nous ne pouvons pas vous mentir. Ça arrive quand vous n'êtes pas là. Il paraît que Ifedinma est enceinte. C'est pourquoi elle évite tout le monde de la maison. Ifedinma enceinte dans cette maison? Pas possible. Ça ne peut pas être possible. Votre Majesté, elle se comporte étrangement ces derniers temps. Ceci ne peut pas être vrai. C'est certainement pas vrai. Pas du tout.
Bonjour, Votre Majesté. Est-ce que tu sors avec mon mari? Votre Majesté. Est-ce que tu couches avec mon mari? Votre Majesté, pour être honnête avec vous, ce n'était pas mon intention. C'est le roi qui m'a poussée à le faire. Ferme-la! Ça n'a jamais été ton intention. Mais tu n'as pas daigné me dire ce qui se passait. Votre Majesté, je ne veux pas créer les problèmes entre le roi et vous. Et je ne veux pas perdre mon travail. Oh, justement. Est-ce que tu voulais devenir l'épouse du roi? Non, ce n'est pas ce que vous croyez, Votre Majesté. Es-tu enceinte de lui? Combien de temps à cette grossesse de mon mari? Ça fait 4 mois, Votre Majesté. Et j'ai jamais remarqué combien tes cachotières. Je suis désolée, Votre Majesté. Ce n'était pas mon intention. Je vous en prie, pardonnez-moi. Tu es sans cœur. Rappelle-toi de là où je t'ai prise. Ce que j'ai fait de toi. Tu étais si désespérée. Tu m'as dit que tu n'avais personne. Que tu n'avais rien. Je t'ai prise et je t'ai fait venir ici pour t'aider. En retour, c'est ce que tu me sers. Majesté, je suis désolée, s'il vous plaît. Je vous en prie, pardonnez-moi. À genoux. Allez! Ouvre ta bouche. J'ai dit, ouvre ta bouche! Ouvre ta bouche! Votre Majesté, je vous en prie, ne me faites pas ça! Si tu t'inquiétais vraiment pour ma mère, tu aurais cherché à savoir comment elle se sentait. Et le plus important, tu aurais su qu'elle était enceinte de toi. Écoute, fils, je me faisais du souci pour elle. J'ai fait de mon mieux, non, fils. Ce n'était certainement pas ton mieux. Écoute, j'ai fait de mon mieux. Mais elle me fuyait et je ne voulais pas du tout donner une mauvaise impression, du genre la forcer, tu vois. Écoute, maintenant, à cause de ça, je ne voulais pas la laisser là et je ne voulais pas du tout dépasser mes limites. Si au moins elle m'avait dit qu'elle était enceinte, alors tu penses que je l'aurais laissée souffrir? Si tu avais découvert qu'elle était enceinte, qu'aurais-tu fait? Écoute, mon fils, je l'accepte, tout est de ma faute. Tout est entièrement de ma faute et je l'accepte. Et je promets de me rattraper avec toi. Je ferai un effort. Mais elle n'était jamais venue me voir. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle était enceinte. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Elle avait peur. Elle n'a jamais voulu que les gens sachent qu'elle était enceinte car elle ne voulait pas ternir ta réputation. Thank you.
Votre Majesté, ne faites pas comme si vous n'écoutiez pas ce que je dis. Votre Majesté. Hé, hey, laisse-moi tranquille. Je ne veux même pas te regarder maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais exactement ce que je veux dire. Je le savais. Je savais très bien que tout allait changer au moment où cet inconnu de bâtard entrerait dans cette maison. Rectificatif. Mon fils n'est pas du tout un intrus. Mon fils n'est pas un bâtard. Et sa présence ici ne changera rien. La seule chose qui change tout dans ce palais, c'est ce que tu fais. Ou alors tu croyais que je n'allais jamais le découvrir. Honnêtement, je m'en fous éperdument de tout ce qu'il a bien pu te dire, Majesté. Et je ne veux même pas savoir quelle image il a de moi. Je sais juste que j'ai fait ce que j'avais à faire pour pouvoir épargner mon mari de cette honte. La honte? De quelle honte est-ce que tu parles? Attends, dis-moi un peu. Penses-tu que j'ai honte de ce que j'ai fait? Hein? Est-ce que tu plaisantes, Majesté? N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte d'avoir couché avec ta servante? Un homme de ton rang social? C'est tellement honteux et tu le sais. Maintenant, dis-moi un peu. C'est juste une simple question. Qui étais-tu avant que je ne t'épouse? Tu n'étais personne. Pourtant, moi, j'étais déjà un roi célèbre. J'ai fait ce que j'ai fait pour nettoyer le désordre que mon mari a laissé. Mais très bien. Tout le monde ne fait que ressasser le passé. Tout le monde. Et personne ne reconnaît même le fait que tu aies trompé ton épouse, cette femme. J'imagine que tu avais aussi le droit de le faire. Eh bien, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ce garçon qui vient d'arriver dans ce palais est ma chair et mon sang. Donc, tu ferais mieux de te préparer parce que très bientôt, je vais le présenter au Conseil des Anciens. Tu ne le feras pas, non, Majesté, n'est-ce pas? Non, mais est-ce que tu te rends compte que tu ne pourras pas m'empêcher de faire ce que je veux faire? Tu ne t'en rends même pas compte. Je vous salue, mes aînés. Bienvenue. Je constate que vous tenez des réunions sans toutefois m'inviter. Et réellement, je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas invité. Père, pourquoi je n'ai pas été invité dans cette réunion? Oh, tu n'as pas vu tous ces anciens assis ici? Tu ne les as pas salués? Ok, notables de notre village, je vous salue. Père, pouvons-nous commencer la réunion? Très bien. Les Itchiers, les anciens, je vous salue. Igwe. La raison pour laquelle je vous ai fait venir ici aujourd'hui est très simple. Je ne vais pas du tout m'attarder sur les petits détails. Ce jeune homme assis ici est mon fils. Itchi Anosie. Je suis encore en train de parler. Pourquoi ne me laisses-tu pas terminer? Père, réponds à la question. As-tu une autre femme dehors? Réponds simplement oui ou non. Je n'ai pas besoin de ton avis dans cette réunion. Tu ferais mieux de t'asseoir et d'écouter. Père, je ne vais pas m'asseoir. Oui. Ok, laissez-moi vous aider. Notable de ce village, mon père, le roi, avait couché avec une femme il y a de cela plusieurs années. Est-ce que tu vas te taire? Et arrête de parler. Il a eu une aventure avec une femme il y a de cela plusieurs années. Une femme qu'il a enceinte. Et la semaine dernière, cet arriviste a fait son entrée dans ce palais. Disons qu'il est mon frère. Ne m'appelle pas par ce nom.
Je l'appellerai par n'importe quel nom que je voudrais. C'est un arriviste. Tu ne fais pas partie de cette famille et je ne te verrai jamais comme mon frère. Prince Obina, votre père vous a ordonné de vous asseoir. Pourquoi ne vous l'écoutez-vous pas? Hein? Pourquoi devrais-je l'écouter? Menteur! Menteur! As-tu déjà été d'accord avec une de mes idées dans ce palais? As-tu? Pourquoi devrais-je être d'accord avec tout ce que vous faites dans ce palais? Pourtant, vous n'écoutez personne. Tout ce que vous savez faire, c'est de vous battre et discuter. Oh oui! Je combats des gens comme toi! Car tu n'es rien d'autre qu'un menteur. Laisse-moi te dire, je vais te clarifier les idées. Quand je deviendrai le roi de ce village, tu ne feras pas partie de mon conseil. Qu'il en soit ainsi, je ne ferai jamais partie du conseil d'un roi aussi arrogant. Votre Majesté, je suis vraiment très désolé. Pouvons-nous reporter cette réunion pour une date ultérieure? Ah oui, fils, j'espère que tu n'es pas du tout contrarié par tout ce que ton frère a eu à dire hier. Pas du tout. Je respecte mes limites. Oui, il y a ce terrain que nous sommes en train de discuter avec le royaume voisin. En fait, nous discutons ce terrain depuis des années, et ce même quand mon père était en vie. Ah oui, nous avons mené de nombreuses guerres. Plusieurs jeunes gens ont perdu leur vie. Et en fait, nous sommes en justice. Il n'y a pas longtemps. À présent, nous n'avons pas encore pris contrôle de ce terrain. Donc, quelle est la façon la plus appropriée de reprendre ce terrain? Ce terrain regorge certaines richesses en lui. C'est pour ça qu'il est important pour nous. De quel trésor est-ce que tu parles? Eh bien, nous avons du sable fin et du gravier, des cailloux. Il y a même une très grande plage parce qu'elle est au bord d'un grand lac. Voilà. Père, pourquoi devrions-nous prendre un terrain qui ne nous appartient pas? Peut-être que tu devrais plutôt me dire pourquoi est-ce que nous voulons un terrain qui ne nous appartient pas. Tu ne trouves donc rien à dire? Père, tu viens à peine de dire que ton père s'était battu pour ce terrain depuis sa plus tendre enfance. Jusqu'à sa mort, il n'a pas réussi à s'approprier ce terrain. Et j'imagine, père, que tu te bats pour ce terrain bien longtemps avant ma naissance. Jusqu'à présent, ce terrain ne t'appartient toujours pas. Père, pourquoi ne pas simplement agir autrement? Peut-être que nous sommes un peu égoïstes. Pourquoi nous battons-nous pour quelque chose qui ne nous appartient pas? Tu es déjà allé plusieurs fois au tribunal et jamais tu n'as eu gain de cause. Alors ils ont eu suffisamment de temps pour ramasser des preuves qui attestent que ce terrain ne nous appartient pas. Si nous voulons ce terrain, père, ou si nous voulons un bénéfice de ce terrain, je pense qu'il est grand temps de trouver un compromis. Nous devons nous entendre, je veux dire, créer un lien avec ces gens. Négocier avec ces gens et leur faire comprendre que nous pouvons tous bénéficier de ce terrain. Et la paix règnera. Alors vois-tu, père, je ne sais pas si mon point de vue est correct. Ouais. Il est temps pour moi de prendre mes médicaments, donc je vais aller directement à l'hôpital et je te verrai à mon retour. C'est d'accord. Je te souhaite bonne chance. Je te vois bientôt, père. Mon prince, tenez ceci. Oh. Merci. Votre père a dit que vous deviez jeter un coup d'œil. D'accord, merci.
Ok. S'il vous plaît. Mon prince, j'espère que le comportement de votre frère ne vous affecte pas. Pas du tout. D'accord, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir. Je suis ça, à votre service. Ça ira aux eaux, merci. Ok, mon prince. Viens par là. Oh. Bonjour. Oh. Salut. Puis-je Prends place. Merci. J'espère que je ne te dérange pas. Bien sûr que non. Je m'appelle Eberechi. Ok, mon nom est Ifani Chukwu. Je suis une amie de la famille. Oh, la fiancée de mon frère. Non, pas vraiment. Nous apprenons à nous connaître, mais ça ne marche vraiment pas. Pourquoi? Mon frère est ton bon gars. Je t'ai vu l'autre jour avec un inhalateur. Oh, oui, je suis asthmatique. Depuis longtemps? Depuis mon enfance. J'imagine ce que ça fait d'être asthmatique depuis longtemps. Oh, c'est juste la triste réalité. Je suis désolée pour ça. Je ne suis pas encore infirmière, je suis en formation, mais j'ai un ami qui pourrait t'aider. Merci. Alors, mon frère, comment est-ce que ça se passe entre vous? Avec ton frère, c'est... Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue. Qu'est-ce que tu es venue faire? Et toi, tu penses aller où? Hein? Où penses-tu aller? Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois près de ma fiancée, la prochaine fois que je te vois près d'elle, je te découpe en morceaux. Ah, mon Dieu. Robina, s'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas quoi? Hein? Ne pas commencer quoi? Il est ton frère. Tu appelles qui, mon frère? C'est inconnu. Il ne sera jamais mon frère. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? S'il te plaît, on parlait juste de sa santé, s'il te plaît. Pour quelle raison parliez-vous de sa santé? Dis-moi, hein? Est-ce que tu connais ces étrangers, hein? C'est à toi que je m'adresse. Dégage! Hé, tu me tournes encore le dos? Ne le répète plus jamais dans ta vie, hein? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Hein? Peux-tu imaginer? Oh, c'est comme ça? Votre Majesté, je crois que ce serait une bonne chose si nous invitons le prince Obina et son frère pour prendre part à cette réunion. Eh bien, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire en ce moment. Nous n'avons pas besoin d'eux ici. Hein? Alors maintenant, tu peux parler. Achebe. Merci, Votre Majesté. J'apprécie le fait que vous demandiez mon avis concernant cette réunion. Afin que nous puissions aborder des sujets concernant la famille royale. Votre Majesté, vous savez que le village entier copiera des conséquences de celui-là qui va vous succéder. Alors, Votre Majesté, nous sommes ici pour poser une très simple question. Qui parmi vos deux fils pensez-vous être capable de vous succéder au cas où vous répondiez à l'appel de nos ancêtres? Onuachebe, il n'était pas nécessaire de nous réunir ici. Pourtant, nous avons des choses importantes à faire. Nous savons tous que le prochain roi est le prince Obina. Vous l'avez tous vu grandir, alors qu'il n'était encore qu'un fœtus. Alors, cette réunion n'était vraiment pas nécessaire. Etianoche, tu dois savoir une chose. Le changement peut arriver à tout moment. Et ce changement commence maintenant.
nous n'avons pas besoin de changement. Le prince Obina sera le prochain roi de ce village. Et c'est moi, je vais vous expliquer. Sans aucun doute, ce jeune homme dont on parle a du sang royal. Et il est le fils légitime du roi. Mais je voudrais que vous sachiez que sa mère n'était pas légalement mariée au roi. Alors, le prince Obina n'a pas de concurrent. Il sera le prochain roi. Ichie Anosie, je ne pense pas que tu aies complètement raison dans ce que tu es en train de dire. Ne pas être légalement marié à sa mère n'exclut pas le fait qu'il soit aussi mon fils. Ça n'exclut pas le fait qu'il soit aussi mon fils. Moi, le roi, j'ai le pouvoir, le droit de choisir qui me succédera sur le trône. Il est bien vrai que j'ai découvert mon fils aîné juste récemment, mais il est aussi mon fils. C'est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Vous avez raison, votre majesté. Écoutez, parlons de l'illégitimité. Dites-moi où cela est écrit dans la loi de ce pays. Qu'un fils illégitime du roi ne peut pas devenir roi. Non, je veux que vous répondiez. L'illégitimité n'est pas la seule chose intéressante que vous devez connaître de ce garçon. Il a en lui les aptitudes d'un leader qu'on attend d'un roi. Et moi, roi Ezena, ne ferai pas d'erreur dans mon choix pour le trône. Votre Altesse, honnêtement, je vous le dis, je ne sais pas ce que le roi prévoit de faire. Selon ce que je vois, il n'a absolument pas les idées claires. Il agit simplement comme s'il s'était fait ensorceler ou autre chose. Je ne doute pas de ce que tu dis. Parce que mon mari ne réfléchit plus du tout. Il laisse les autres réfléchir à sa place. Mais il n'y a pas de problème. Ils ne réussiront pas. Tu es mon seul allié. Et je voudrais que tu gardes les yeux sur le trône et que tu me dises tout. Votre Altesse, ce n'est pas un problème. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir. Bien. D'accord, merci infiniment, Votre Altesse. Merci. Les mauvais ne cesseront jamais. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Qui aurait cru que le prince Obina n'est pas le seul fils de notre roi? Ma puce, c'est bien pour lui. Pourquoi est-ce que tu dis ça? As-tu oublié que prince Obina est le prochain roi de notre royaume? Chérie, il est orgueilleux. Il est trop fier de nous-mêmes. J'ai appris que le roi n'a même pas encore choisi son successeur. Tu es sérieuse là? Bien. Pour ma part, ce que je souhaite, c'est que le prince Obina soit le roi élu. Oh, s'il te plaît, tais-toi. Faible pour lui. Comme je souhaite être la prochaine reine, je l'aime tellement. Hé, hey, rêveuse, continue de rêver. Ça, c'est ton business. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai dit que je l'aime. Je l'aime. Il est mon crush, il est mon sucre. Ah, bas de balai. Je suis au courant de ce dont tu as discuté avec les notables et de ce que j'ai pu rassembler. On dirait que tu voudrais agir en faveur de ton étranger de fils. Votre Majesté, pourquoi veux-tu déshonorer le trône de ce royaume juste parce que tu veux qu'il t'aime? Pourquoi? Je ne me souviens d'aucun fils étranger à qui je voudrais céder le trône. Mais si tu es en train de parler de mon fils aîné, je suis ravi de te dire que
nous nous sommes concertés. Et personne n'a donné une autre suggestion. En fait, il m'a appelé père et nous nous aimons beaucoup. Votre Majesté, il fait juste semblant. Je ne lui fais pas confiance du tout. Tu ne lui fais pas confiance? En fait, personne ne te demande de lui faire confiance. Et parlant de la royauté, je n'ai pas encore pris ma décision. Alors pourquoi tout le monde a si peur? Votre Majesté, tout le monde a peur. Parce que tu nous donnes l'impression de vouloir que ce soit lui ton successeur. Ce garçon est malade. Il n'est pas mentalement et physiquement apte pour devenir un roi. Pourquoi n'attends-tu pas que je prenne d'abord ma décision? Pourquoi ça? Destiny cannot change. Whatever will be, will be. Mère, oui, je sais à quel point tu es soucieux. Et je sais à quel point c'est décevant, mais... Mais, écoute, je peux t'assurer que... Je prépare quelque chose. Tu prépares quelque chose? Ce n'est pas la première fois que tu me le dis. Ni même la deuxième fois ou encore la troisième fois que tu me dis que tu prépares quelque chose. Mère, tu prépares quelque chose pendant que les anciens sont en train de dire que ce bâtard est le fils de mon père. En plus de ça, mon grand frère, tu prépares quoi exactement? Fiston, mais calme-toi. Tu n'as pas besoin de crier. Le fait que mes plans n'aient pas marché la première fois ni la deuxième fois ne signifie pas que ça ne marchera pas cette fois-ci. Calme-toi. Comment puis-je me calmer? Dis-moi, comment vais-je me calmer? Tu sais à quel point j'ai toujours voulu être roi. Tu sais bien à quel point j'ai toujours voulu succéder à mon père. Tu le sais très bien, nous avons discuté. Comment je régnerai sur ce royaume? Tu le sais très bien. Ah! Et voilà quelqu'un sorti de nulle part. Viens clamer qu'il est mon grand frère et tu voudrais que je me calme? Comment vais-je me calmer, mère? Comment? Tu n'arrêtes pas de crier. Ah! C'est bon, ah! Ok? Ta mère se charge de tout. Je prépare quelque chose de grandiose. Calme-toi. Fais-moi confiance. Je le ferai. T'es sûr? J'ai compris. Ok. Peux-tu manger maintenant? Un verre. Désolée de t'avoir fait attendre. C'est bon. J'avais quelque chose de très important à faire. Je comprends. Alors, comment tu vas? Comme tu le vois, bien. Et toi? Oh, je vais bien. J'aime tes vêtements. Merci. Merci. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu t'en sors avec ton dingo de frère? Eh bien... Il reste mon frère. Peu importe ce qui se passe, je fais du mieux que je peux pour éviter des problèmes avec lui ou toute autre personne. Oh, je sais comment il est. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu ce rendez-vous, pour qu'on puisse se détendre. Ouais, maintenant, j'apprécie vraiment cela. Merci. Maintenant, parle-moi de toi. Je veux dire, comment tu as grandi? Comment est-ce que ta mère a fui le palais? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Crois-moi, quand je te dis que c'est une longue histoire, c'est parce que c'est quelque chose dont je n'aime pas trop parler, mais si gentiment demandé, il n'y a pas grand-chose à savoir, juste que j'ai perdu ma mère alors que je n'étais encore qu'un bébé. Oh, je suis vraiment désolée pour ça. J'ai eu la chance que l'homme qui a pris soin de moi, l'homme que j'appelle papa, l'homme qui m'a nourri, cet homme,
c'est assurer que jamais je ne manque de rien, tu sais. Mais avant ça, je vivais dans un bâtiment non achevé. Incroyable, vraiment ? Un bâtiment inachevé ? Ouais. Ce n'est pas prudent. Je peux l'imaginer. L'histoire de ma vie. Désolée. Bah, c'est passé. Le plus important est que nous sommes là maintenant. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, assez parlé de moi. Mais si on parlait de toi ? Moi ? Oh, désolée ouais. pour ça. Il est comme un père pour toi. Oui, il l'était. Alors, assez parlé de moi. C'est à toi. Qu'est-ce que tu prévois avec mon frère ? Je veux dire, comment avance notre relation ? Ah ! Eh bien, pour être honnête avec toi, je ne sais pas ce que je fais avec ce garçon. Quoi ? Oui, je veux dire, je ne suis pas du tout proche de lui. Je ne peux pas. Je pense que nous ne sommes pas compatibles. Je ne suis pas amoureuse de lui. Je dois me l'avouer. Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer avec lui. Je dois arrêter de me mentir. Ça ne marche pas. Nous ne sommes pas compatibles. C'est la pure vérité. Ok. C'est bon, merci. J'en voudrais encore. Bien, où est-ce que tu vas ? Je vais voir mon fils. Mais Majesté, pourquoi ne pas t'asseoir et finir de manger ? Laisse-moi aller voir comment il se porte. Tu le verras. Assieds-toi et mange, tu sais qu'il n'aime pas manger avec nous. C'est pour cela que je dois le voir. Et ceci doit s'arrêter. Il doit manger avec nous à tous les repas. Majesté, ne t'en fais pas pour ton fils. C'est un grand garçon. Assieds-toi et mange. S'il s'en va, qu'il s'en aille. Votre repas est servi, mon prince. Oh, merci. Merci. Oh, fils. Père. Tu continues d'insister à manger ici? Oui, père. Je me sens plus à l'aise ici. Écoute, mon fils. À chaque fois que je te vois manger tout seul, loin de la famille, ça me fait penser que je ne fais pas du tout assez pour unir ma famille. Père, tu fais bien plus qu'il n'en faut pour unir ta famille et ça marche. Juste que ça prend du temps. Et pour l'instant, je pense que je suis mieux ici. Peu importe, il y a un sujet sur lequel je voudrais parler avec toi. Je t'écoute, père. Bien. Comment te sentirais-tu si tu devenais le prochain roi de ce royaume? C'est une blague. Non. Père, je me contenterai d'être ton fils. Je ne suis pas intéressé par le trône. Mon fils, je sais que tu peux le faire. De toute façon, mangeons ensemble. J'aimerais manger avec toi. Père, tu rigoles. Tu veux qu'on mange ensemble? Ah! Ah! Oui. Oh. Ah, ah. Excuse-moi, père. Ok. Non. Bah, ok.
Allô, mon fils. Comment vas-tu? C'est vraiment formidable. Je vais bien. Et ton état de santé? Oui, je vais bien. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière. J'ai vu que tu étais malade. Es-tu sûr que tu vas bien? J'ai appris que tu as été amené à l'hôpital la nuit dernière. J'espère que tout va bien. Ah oui, je l'ai fait. Et je veux que tu fasses aussi pareil. Prends soin de toi. Bonne nuit. Merci. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? Le roi s'est fait empoisonner! Empoisonner? Docteur, vous venez de dire empoisonner? Je suis navré, le roi est mort. Qu'est-ce que t'as fait à mon père? Je te pose la question. Pourquoi as-tu tué le roi? Pourquoi as-tu tué mon père? Pourquoi as-tu tué mon père? Pouvez-vous vous calmer? Pourquoi tu as tué le roi? Je n'ai pas tué mon père. Vas-tu la fermer? Qui est ton père? Nous ne savons même pas d'où est-ce que tu viens. S'il vous plaît, docteur. Pourrais-je le voir? Oui, bien sûr. Où va-t-il, mère? Mère? Où vas-tu? Où est-ce qu'il va? Docteur! Docteur! Où amenez-vous ce bâtard? Whatever you are meant to be. Oh, that you shall be. Oui, officier, arrêtez cet imbécile. Arrêtez-le. Arrêtez-le tout de suite. Je suis l'inspecteur James de la police criminelle. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du roi Aesima. Bien. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz sera retenu contre vous en présence d'un juré. Vous avez le droit d'avoir un avocat et si vous n'en avez pas, l'État vous en fournira un. On ne lui donnera rien. Embarquez-moi cet homme. Emmenez-le. Qu'il s'en aille. Allez, avance. Assassin, lève-toi. Inspecteur, il n'y a pas que lui. Il y a aussi la cuisinière. Arrêtez-la. Et tout le monde qui est coupable. Arrêtez-les tous. Va-t'en, espèce de sale criminel. Va-t'en, criminel. Allez avec cet homme. S'il vous plaît. Qu'il dégage. Dois-je t'apprendre à faire ton travail? Qu'il dégage. Avancez, s'il vous plaît. Assassin. Allons à l'étage. À l'étage. Écoutez, jeune fille. Pour être franc avec vous, je ne veux pas, j'ai pas envie d'employer la manière forte. Et personne non plus dans ce poste de police. Écoute, il est évident que personne ne veut m'aider. Mais laissez-moi vous dire, ceci n'est que la première phase de cet interrogatoire. Quand nous serons dans la deuxième phase, je n'aurai pas d'autre choix que de vous infliger des sanctions douloureuses. Alors vous ferez mieux de parler. C'est vous qui avez servi à manger. Oui, c'était moi. Bien. Alors dites-moi exactement ce qui s'est passé. J'étais dans la cuisine avec la cuisinière.
comme d'habitude. Alors, elle a servi le repas. Et j'ai fait la table. Est-ce que tu l'as regardée quand elle était en train de cuisiner ce repas? J'étais avec elle. Elle n'a pas empoisonné le repas. Et est-ce que tu as vu quelqu'un s'introduire dans cette cuisine pour empoisonner ce repas? Je n'ai vu personne, je vous jure. Écoute et dites-moi pourquoi. J'ai servi à manger à la famille. Et j'ai servi le prince Ifeanyi Tchoukou, car il avait l'habitude de manger seul. Ah, bien. Ça sonne plutôt bien, ça. J'aime ça. Oui. Pourquoi? Est-ce que le prince voudrait-il manger tout seul? Je pense que c'est parce qu'il a des problèmes avec la reine et l'autre prince depuis qu'il est revenu de chez son père. Alors que s'est-il passé ensuite? Son père l'a retrouvé. Et c'était à cet instant que tout a commencé. Maintenant, dites-moi, comment a-t-il empoisonné ce repas? Comment est-ce qu'il pourrait empoisonner son propre père? Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, jeune fille. Les êtres humains sont foncièrement méchants. Et multiples choses atroces se passent chaque jour. Je suis un inspecteur. Les interrogations et les interviews sont ce que je fais tout le temps. Vous ferez mieux de commencer à parler! Écoutez, jeune fille, il s'agit d'une affaire de meurtre et nous la prenons vraiment au sérieux. Parlez! Maman. Que se passe-t-il? Mère, je voulais te demander. Es-tu au courant de tout ce qui se passe dans ce palais? En fait, le plan dont tu m'avais parlé, il s'agissait de tuer mon père. Non. Non. Il n'était pas la cible. C'est cet arriviste qui était la cible. Où est-ce que tu emmènes ce repas? C'est pour le prince. Ok. S'il te plaît, appelle-moi Ouzo, ok? Ok. Alors, tu peux déposer le repas. Tu viendras le récupérer à ton retour. Ok. Je pense que malheureusement, c'est ton père qui a mangé ce repas. Mère, tu ne sais pas faire des plans. Non, ce n'était pas un bon plan. Ce n'est pas la première fois, ni même la deuxième fois que ça arrive. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ce n'est pas bien, maman. C'est pas bien. Obina, c'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? Es-tu si aveugle pour ne pas réaliser que... la mort de ton père est une bonne chose pour nous. Mais oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père avait décidé de faire de cet idiot étranger le roi de notre village. Hein? Bien sûr. Alors, ça nous donne l'occasion de nous battre pour nous-mêmes. La seule chose que nous devons faire, c'est de convaincre les notables. Bien. Ma mère, maman des mamans, t'es la meilleure. Ça, c'est bien. Qui est-ce? Excuse-moi, maman. Allô, détective. Mon prince? Oui, du nouveau. Je suis désolé que nous n'ayons plus rien à voir, mais... les suspects ne disent rien. Comment peux-tu dire que vous n'avez rien, hein? Que voulez-vous dire par là? Un instant, vous attendiez à ce qu'ils avouent qu'ils ont tué mon père?
Forcez-les à parler. Il faut les forcer à parler. Oui. C'est pour ça que je vous ai appelé. Obligez-les à parler. Officier. Cet imbécile qui s'est fait appeler mon frère est le suspect principal. C'est lui qui a mis en place tous ces plans. Mon père est mort à l'instant où il est entré dans le palais. Mon père est mort. Alors, vous devez user de tous les moyens pour le faire parler. C'est le principal suspect. Écoutez, s'il vous plaît. Officier, vous ne devez surtout pas permettre qu'il sorte de votre poste et que personne ne vienne payer sa caution. OK? Dites-moi juste combien il faut et je donnerai. Quel que soit le prix à payer, je payerai. Qu'il reste là-bas jusqu'à ce que je prenne une décision. Est-ce que c'est clair? D'accord, mon prince. J'ai compris. Je vous rappelle très bientôt. Bien. Vous parlez bien. On vous enverra quelque chose plus tard. Réellement, dis-moi, tout semble étrange. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que vous avez appris pour le roi. Oui, je l'ai appris. Le problème, c'est qu'ils accusent le prince Ifeanyi d'avoir empoisonné oh, le roi. Non, je n'y crois pas. Pourquoi est-ce qu'il voudrait tuer son père? Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas aussi à y croire. Et le problème, c'est qu'ils ont arrêté le prince Ifeanyi. Quoi? Et maintenant, cette grosse tête, le prince Obinna, m'a empêché d'aller le voir. Oh mon Dieu, comment peut-il faire une telle chose? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Combien de fois t'ai-je dit de ne plus poser tes sales pieds dans ce palais? Hein? Ne t'avais-je pas averti? Au diable! Au diable également! Va-t'en et ne reviens plus! Dégage! Dégage! Ne viens plus jamais ici! Je t'emmerde! Je t'emmerde! Je t'emmerde! Dégage! Stupide! Bâtard arrogant! N'importe quoi! Idiot! Pauvre imbécile! Pauvre imbécile! Je pense bien t'avoir averti de ne plus admettre cette prostituée dans ce palais. Hein? Te l'ai-je dit ou pas? Commets encore une telle bêtise. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dites-moi cette putain de vérité! Oui ou non, avez-vous empoisonné le roi? Inspecteur, comment aurais-je pu empoisonner mon propre père? Ce repas a été fait pour moi. Comment aurais-je empoisonné mon propre pas? Comment? Écoutez, j'ai l'impression que vous ne nous dites pas la vérité. Maintenant, regardez ça. Vous voyez cette chose que j'ai à main? C'est votre vie. Et vous savez ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Alors dites-moi la vérité. Et commencez à parler. Inspecteur, je n'ai pas empoisonné ce repas. Soyez prêt à me dire toute la vérité quand on se verra la prochaine fois. Sinon, vous n'aurez plus ce truc que j'ai entre les mains. Je n'ai pas empoisonné ce repas. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai déjà tout dit concernant ma vie dans ce palais. Quelqu'un veut que je meure. Je ne sais pas qui. Ce repas a été fait pour moi. Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis quelques jours. Et l'inspecteur a mon... Il a mon inhalateur. Il refuse de me le rendre. C'est un commenté. Ils veulent me tuer. S'il te plaît. C'était déjà arrivé. Ne t'en fais pas. Je ferai quelque chose. Je trouverai qui se cache derrière tout ça. Sors-moi de cet endroit. Je t'en prie. Je le ferai.
Je le ferai. J'essaie simplement de vous aider. Mais je voudrais que vous me disiez la vérité. Quelqu'un vous a obligé à empoisonner ce repas? Personne ne nous a forcés, je jure. Et vous n'avez vu personne se faufiler dans la cuisine? Nous n'avons vu personne se faufiler dans la cuisine. Mais si quelqu'un l'avait fait, on l'aurait vu. Sauf s'ils l'ont fait en notre absence. Ok. Je reviendrai. D'accord. Tout ceci n'a aucun sens. Le type en question venait juste de rencontrer son père. Il venait de se rencontrer. Alors, pour quelle raison va-t-il tuer son père? Jeune demoiselle, certaines personnes peuvent avoir des idées très noires et être impliquées. Je suis un inspecteur de la police et j'ai travaillé plusieurs cas plus compliqués, plus difficiles que celui-ci. Nous avons vu des personnes tuer leurs parents, leurs bien-aimés, même des partenaires d'affaires. Des choses incroyables peuvent se passer. Et c'est pour ça que vous avez saisi son inhalateur? Quelque chose qui lui est indispensable? Vous essayez de le tuer ou quoi? Je ne sais pas de le tuer. Je ne fais que mon putain de travail et l'enquêter encore un coup, madame. S'il vous plaît, épargnez-moi ces histoires d'enquêteurs. Pour moi, c'est une sorte de complot pour le tuer. On dirait que vous connaissez la vérité, mais vous voulez l'inculper. Vous savez quoi? Je vous porterai plainte pour cette tentative de meurtre. Soyez prêts! Au diable, qui est-elle? Je croyais que vous avez dit que ce jeune homme n'avait personne pour l'aider. Et qui est cette jeune femme qui se bat pour sa libération? Oui, elle a fait, elle a menacé de porter plainte. Allez, je n'ai pas peur. C'est juste que je ne m'attendais pas à cela. Je l'espère. Bien, mes chers notables, je vous salue. Oui, nous connaissons tous la suite. Immédiatement après les funérailles de notre roi. Ce qui est très, très important. Et nous devons trouver une solution à ce problème avant de nous rendre au palais. C'est vraiment très dommage que nous soyons encore sur cette affaire. Et que notre roi ait répondu à l'appel de ses ancêtres. Même si nous n'avons pas eu le verdict de notre roi, mais à sa manière de faire, nous savions tous que nous connaissons très bien la personne qu'il voulait désigner comme successeur sur le trône de ce village. Ah, oh non. Je ne vais pas faire comme si je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Concernant les agissements de notre roi. Mais il est évident qu'en ce qui me concerne, vu la façon dont le roi agissait, je crois que le roi voulait utiliser le pouvoir de ce trône pour combler tant soit peu son fils. Il l'a fait par amour. Peut-être il voulait l'utiliser pour créer des liens avec lui, selon mon observation. C'est ce que j'ai remarqué. Ça, c'est un mensonge à nos yeux. Notre défunt roi avait choisi son premier fils parce qu'il avait vu en lui une exceptionnelle potentialité. Si je puis me le permettre, quel genre de potentiel? Parce que, à ce que je sache, depuis que ce jeune homme est arrivé dans la famille royale, il n'a fait que créer des ennemis. Et ensuite, nous avons perdu notre roi. Alors de quel potentiel parlez-vous? S'il te plaît, je voudrais savoir. Est-ce que tu essaies de dire que ce jeune homme a tué notre roi? Oh non, vous ou quoi? Biko, ne prête pas les mots à ma bouche. Je n'ai pas dit ça. La police fait son travail minutieusement. Et aux dernières nouvelles,
de ce que j'ai entendu de l'interrogatoire. Si ce jeune homme ne s'explique pas correctement, il pourrait finir en prison. Je vois. Il ne peut qu'aller en prison s'il est reconnu coupable. Cher notable, je vous prie. Nozé a raison à ce sujet. Exactement. Nous ne pouvons pas attendre toute la journée en train de discuter là d'un jeune homme qui se bat avec la police. Et pourtant, ce royaume a été béni avec un jeune roi éveillé. Un jeune homme au grand cœur, très généreux. J'ai discuté avec lui hier et il m'a promis que lorsqu'il sera nommé roi de ce royaume, il offrira à chacun d'entre nous 1 million. N'est-ce pas suffisant? Donc tu es prêt à vendre ta conscience à cause de l'argent? Nous parlons d'argent et tu parles de vendre et acheter. Qui a parlé de vendre quoi que ce soit? C'est de la simple mathématique. Utiliser un caillou pour tuer deux oiseaux. Nous le nommons roi et nous remportons notre gain. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Etienne Osier, tu me déçois énormément. Tu me déçois énormément. Est-ce que tu t'entends? Écoute ce qui sort de ta propre bouche. Etienne Osier, est-ce vraiment toi? La raison et le pouvoir. Cher notable, j'étais au poste de police. J'ai vu le prince Ifiani. La situation est très pathétique. Il se fait maltraiter sans nourriture. Mais oh! Obina a saisi son inhalateur. S'il vous plaît, mes aînés, je suis venue vous supplier de demander à Obina de le relâcher. Car je sais qu'il est innocent. Regardez celle qui parle. Hé, c'est pas terminé. Ozobi, regarde-toi. Un vieux comme toi, qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Je vais te percer les yeux. Maintenant, écoute. Surveille ce que tu dis ici. Ok? Tu n'as même pas honte de toi-même. Tu sais de quoi tu parles? Hein? Le prince, tu parles de quel prince? Tu dis qu'Ifani est innocent. C'est un meurtrier. Oui, il a prémédité la mort de mon père. C'est lui qui est derrière tout ça. Il va mourir en cellule. Je vais me rassurer. Par tous les moyens de mon autorité et de toutes les relations que j'ai dans ce royaume, je vais me rassurer qu'il périsse en prison. Libère-le, sinon je te porterai plainte. À qui tu vas porter plainte? Qui es-tu? Je regrette de t'avoir connue. Jeune fille, es-tu avocate? Non, je ne le suis pas. Es-tu juge? Je ne le suis pas. Alors comment en es-tu arrivé à conclure que... le prince... Ifani... Ce n'est pas le prince, son nom c'est Ifani. Ifani est innocent. Je suis une militante des droits de l'homme. Je me bats pour l'humanité. Je sais reconnaître quelqu'un d'innocent. Cet homme est enfermé sans nourriture, sans eau et sans son inhalateur. Oui? Prince Obina. Non, notable. Si ma mémoire est bonne et qu'elle ne me joue pas des tours, c'est toi qui as emmené cette jeune fille dans ce palais pour la première fois. Ça a été une erreur. Une très grosse erreur. S'il te plaît, fais ce que tu as à faire et relâche-le. Sinon, je te porterai plainte. Je ne ferai rien de ça, ma chère. Pourquoi as-tu demandé à la police de prendre sa ventoline? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a tué mon père? Pourquoi? Et si jamais il mourait? Et alors? Le roi est-il toujours en vie? Le roi vit-il toujours? S'il vous plaît, cher notable, écoutez, calmons-nous. Je crois que nous savons tous que notre royaume a sa façon de gérer ce genre de cas. Nous avons notre façon traditionnelle. Et à nos yeux, je pense que tu le sais très bien. Alors, en tant que l'honneur de ce royaume, Prince Obina, le conseil des notables vous donne 24 heures pour libérer le prince Ifiani Tchoukou. Et en conséquence, nous allons prendre cette affaire en charge. Ça ne vous concerne plus. Ne vous en mêlez plus. Merci, cher notable.
Bienvenue chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais bien t'avoir demandé de ne plus venir ici. Je t'avais averti ou pas? Et toi? Je t'avais renvoyé, n'est-ce pas? Je t'ai renvoyé! Maintenant, sors de ce palais avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Pourquoi est-ce que tu cries tout le temps? Je me demande bien. Les princesses ne crient pas. N'aboie pas. Tu l'as viré et je l'ai réengagé. Qu'il soit ici, ne te regarde plus. Ben voilà. Voilà ma magnifique épouse. Elle n'est plus ton invitée, mais la mienne. Et ça aussi, ça ne te regarde plus. Plus tôt tu commenceras à comprendre toutes ces choses, plus tôt on commencera à vivre comme des frères, oui. Je ne pense pas qu'elles comprennent. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Hein? Quelles sont ces bêtises qui sortent de ta gueule? Maintenant, écoute-moi très bien. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'as même pas un centime dans ce palais. Alors, dégage de ce palais avec ces personnes inutiles avec lesquelles tu es venu avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Quand je t'entends parler, je finis par voir ton niveau de réflexion. Tu ne fais qu'un les documents de cette grande maison dont tu te vantes être le propriétaire. As-tu vu ces papiers? Non. C'est moi qui les ai. Ce qui signifie que cette maison que tu appelles palais, y compris toi qui y vis, est à ma merci. Et plus tôt tu commenceras à comprendre tout ça, mieux ce sera pour tout le monde. Bébé, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu discutes avec ce garçon? Pourquoi veux-tu qu'il règne sur ce palais avec toi? Il est tellement arrogant, tellement méchant et inutile. C'est toi qui es inutile. Tu es inutile. Tu es une idiote. Tu es fou. Une prostituée. Tu es incapable. Un bordel. Tu n'es qu'un pute. Tu es un gros imbécile. Une idiote. Une salade. Tu es un cadavre ambulant. Toi. Cadavre ambulant. Tu prends pour qui? Un cadavre ambulant. Regarde-le. Regarde-moi cet idiote. Tu es un cadavre ambulant. C'est quoi? Ce bâtard. J'ai honte de toi. Tu n'as pas honte de toi. Idiot. Tu es une idiote. Oui. Tu es une prostituée. Tu n'as pas honte de baiser avec mon frère. Animal. Attends, attends. T'ai-je entendu dire frère? Donc il est maintenant ton frère? Oh, c'est triste. Pour ton information, je n'ai jamais rien fait avec toi. Ou alors je me trompe? Tu m'as entendu? J'ai rencontré un homme meilleur, mieux que toi. Et je m'en fous qu'il soit ton frère ou pas. Tu n'es qu'une idiote. Brûler une sale idiote. Une imbécile. Je m'en fous. Idiote. Bâtard. Dégage. Dégage, prostituée. Je ne veux plus jamais je te revoir. Dégage de je ce lieu vais. Maintenant. Bouge! Malade! Et toi? Tu... Lâchez-moi! Lâchez-moi! Hey, qu'est-ce qui vous arrive? Mon prince! Toi, t'es placé là, me regarder, hein? Règle-lui son compte! Allez, vas-y! Ne me regarde pas! Je te demande de lui régler son compte! Vas-y, fais-lui la peau! Il m'a attaqué! Règle-lui son n'es-tu compte! Pas, qu'est-ce que tu attends? N'es-tu pas fatigué? Hein? Prends un peu de temps pour te regarder. Regarde comment tu es à bois, 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 bois. Tu es un prince, les princes ne crient pas. Ne me touche pas. Reste humble. L'humilité précède la gloire. Toi, si jamais il se comporte mal, tu sais quoi faire. Je te casserai une dent. Idiot. Ne me touche plus. Et toi, où vas-tu? Reviens ici. Arrête, arrête ça. Arrête ça. Je te préviens. C'est parce que tu es de la famille royale. C'est pour ça que je t'épargne. Sinon, je t'aurais fait la peau. Je ne vous laisserai pas entrer dans ce palais. Je ne vous laisserai pas entrer dans ce palais. Que faites-vous? Hé! Que signifie tout ceci? Revenez ici! Regarde, regarde, regarde-moi le lit. Tiens! Regarde ici, imbécile! C'est parce que j'ai été arrêté. Pour quelle raison? Comment peut-il croire à une telle chose? Eh bien, mon demi-frère pense que je suis en compétition avec lui. Il avait des relations et ça lui a donné la possibilité de me faire enfermer. Aïe! Alors, comment vas-tu à présent? Hein? Je crois que je devrais venir te voir. Oh non, 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 papa, ne te dérange pas. C'est quelque chose que je peux gérer, je te tiendrai informé, mais crois-moi, je peux gérer ça. Merci beaucoup de t'inquiéter. Papa, nous préparons les funérailles de mon père le roi et donc nous parlons déjà de la succession. Hein?
Je vais prier pour toi, mon fils. Je vais prier pour toi. Aucune âme forgée contre toi ne t'atteindra. N'importe quelle personne qui s'opposera à toi sera vaincue au nom de Jésus. Amen. Papa, je te rappellerai, hein? D'accord, d'accord. Je le savais depuis que tu étais un petit garçon. Tu allais devenir un grand homme. Tu régneras sur tout un peuple. Prends soin de toi, hein? Je n'arrive pas à le croire. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est bon, ça ira. Je t'en prie. J'ai fait ce que j'ai fait pour aider un ami en détresse. Tu ne méritais pas tout ce que tu as traversé. Pas du tout. Ce qu'ils t'ont fait est inhumain. Ouais, tu sais qu'il s'agit de mon frère, donc. Il ne m'aime pas. Il me voit comme son adversaire. Il pense que je suis là pour lui arracher le trône. Si seulement il pouvait savoir que je ne suis pas intéressé. Tu n'es pas intéressé? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Dis-moi. Bien, je n'insinue rien. Je le dis ouvertement. Je ne suis pas intéressé par le trône. Je ne veux pas être roi. Mais pourquoi? Je veux dire, ton père t'a choisi. Et tout le monde sait que tu es le choix du peuple. Oui, ils ont décidé, c'est toi le choix. Tu es celui que le peuple préfère. Il ne s'agit pas vraiment d'être le favori, il s'agit de moi, de ma santé. Les gens ne parlent pas de ma santé, de mon état. Je ne peux pas être roi. Avec cette maladie, ça ne marchera pas. Crois-moi, ton état de santé n'est pas une barrière. Si tu ne veux pas le faire, fais-le au moins pour ton père. Il ne sera pas heureux, peu importe où il est. S'il te plaît, tu dois être au trône. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que tu m'as dit la dernière fois concernant ta relation avec mon frère, ça résonne dans mon cerveau et Est-ce que... Tu étais sérieuse lorsque tu me disais que ta relation avec mon frère ne fonctionne pas. Crois-moi. Je pense vraiment tout ce que j'ai dit. J'étais très sérieuse. Pourquoi est-ce que tu me fais autant confiance au point de tout me dire? Pourquoi es-tu si attentionnée? Pourquoi te soucies-tu tant de moi? Cher notable, je vous salue. Eh bien, j'aurais voulu que nous fassions ce que notre défunt roi avait souhaité. Mais pour certaines raisons, certains aînés commencent à penser autrement. Notre défunt roi nous a laisser des indications. Mais elles n'étaient pas très claires. Selon nos traditions, il revient à nous, les membres du conseil, de choisir parmi nos deux princes celui qui sera le prochain roi. Et nous devons le faire par vote, selon la tradition. Alors, cher notable, je crois que je peux commencer. S'il vous plaît, si vous votez pour le prince Obina, je vous prie de lever votre main. OK. Et si vous voulez que le prince Ifan Ichuku devienne notre prochain roi, je vous invite à lever votre main. Cher notable, nous sommes arrivés au terme de notre vote. Nous avons tous voté.
Le score est de 3 contre 2. Alors, mon prince, mes félicitations. Que le tonnerre vous frappe. Que le tonnerre vous frappe, vous comprenez? On dirait que vous êtes fou, hein? Tu n'es qu'un comédien. Oui, tu n'es qu'un clown, c'est ce que tu es. Es-tu malade? Hein? C'est quoi ces conneries à bracatabranc que tu viens de faire là? Est-ce un jeu d'enfant? Donc, tu penses que je vais m'asseoir ici et te laisser dire à ce bâtard qu'il est mon nouveau roi? Tu ferais mieux de la fermer et ne t'avise plus jamais dans ta vie de m'appeler comme ça. Au diable, sale enfoiré! Tu n'es qu'un putain de bâtard! N'ose plus jamais le redire. Que vas-tu me faire? Hein? Bâtard! Bâtard! Prince Fanichoku! Prince Fanichoku! Prince Fanichoku! Que vas-tu faire? S'il vous plaît. Hein, dis-moi, que vas-tu faire? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon prince. S'il vous plaît, lâchez-le. Vous voyez? Hein? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, putain? Vous voyez? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Je vais aller leur faire face. Ces gens essayent de te tuer. Tu ne me vois pas? Ils essayent de te tuer. Bébé, il n'en sera rien. Ils ne peuvent pas me tuer. Je ne les laisserai pas. Ne me dis pas ça. Laisse-moi aller affronter cet imbécile. Arrogant. Bâtard. Laisse-moi le faire. Ils vont te tuer. Bébé, peux-tu te calmer? Garde ton sang-froid. Mais c'est de trop. Ça nous échappe de main. Parle-lui. S'il vous plaît, vous devez l'écouter. Je sais ce que vous ressentez, mais vous devez respecter sa décision. Non, pas dans ce cas. Pas dans ce cas. Nous n'allons pas rester les bras croisés et regarder ces gens en finir avec nous. Non, nous devons agir. Nous devons nous battre, mon futur roi. Nous devons nous battre. J'ai reçu votre message et maintenant je suis à votre disposition. Oui. Que voulez-vous qu'on lui fasse? Je veux que ce bâtard meure. Ok. Comment voulez-vous qu'on procède, qu'on lui tire dessus? Non. N'utilisez pas de fusil. Ça pourrait avoir l'air très suspect. Je voudrais que tu fasses en sorte que ça ait l'air d'être un accident. Tu m'entends? Il y a déjà une enquête en cours et il y a des yeux rivés sur moi. Te souviens-tu de la photo de la voiture rouge que je t'avais envoyée? Oui, c'est cette voiture qu'il conduit tout le temps. Je te dirai quand attaquer. D'accord, nous le ferons. À plus. Bien. Oh non, à un certain niveau, je commence à me demander si tu as oublié ce que nous représentons dans ce royaume. Si nous, les notables, ne pouvons pas, qui d'autre dans le royaume aura le droit de le faire? Ah, Itié. J'ignore vraiment quoi te dire, mais as-tu pas vu à quel point ce garçon était agressif? Dis-moi. Pour ma part, je ne vois rien de mal dans ce que le prince Obina a fait. Tu ne vois rien de mal à ça? Ce jeune homme a nous empêché, nous les notables de ce village, de mettre pied au palais. Et tu ne vois toujours rien de mal à cela. Pourquoi es-tu si insensé? Pourquoi? Oh non, avec tout le respect que je te dois, ne me traite plus d'insensé. Si c'était à toi, quand... N'arracher quelque chose qui te revient de droit, que ferais-tu? Qu'est-ce qui lui revient de droit? Cher notable, n'avons-nous pas suivi le processus normal? Nous l'avions fait. Nous avons voté, pas vrai? Et c'est l'aîné qui a gagné! Pourquoi veux-tu discuter avec cette espèce d'égoïste? Est-ce que tu t'attends à ce qu'elle soit raisonnable quand il est occupé? À prendre des pots de vin
Ou alors, vous avez oublié comment est-ce qu'il a voulu nous manipuler. Il y a de cela, quelques jours. Bien. Est-ce à moi que tu t'adresses ainsi? As-tu perdu la tête? Tu as nausé. Tu veux perdre ton sang-froid? Que veux-tu faire? Tu es chez moi, ça je te le rappelle. Et je porte un chapeau rouge, tout comme toi. Alors tu ferais mieux de te calmer. Tu t'attends à ce qu'il soit raisonnable? Bonjour, mon prince. Elle brille. Elle est vraiment propre. Tu t'entends? On n'est pas pressé. Prince. Serait-il possible que cette voiture soit lavée? Ensuite, nous pourrons y aller. Pas de problème. Super, alors. Je vais la démarrer. Il va bientôt sortir. Ok? Et il sera dans une Jeep rouge. Rassurez-vous de ne laisser aucune trace, rien de dramatique. Fais en sorte que ça ait l'air d'un accident, ok? Oui. Je t'enverrai le reste quand le travail sera terminé. Les clés. Je dois sortir avec le prince. Quoi? Je dois sortir avec lui. Avec qui est-ce que tu sors? Mon ami, t'as intérêt à me donner ces clés avant que je ne m'énerve. Es-tu fou? C'est... Quoi? Donne-moi ces clés. Il vient de te dire que j'allais utiliser la voiture. Alors pourquoi tu cherches les ennuis? Quelle voiture? Bien, je vais sortir avec cette voiture. Ok? On ne fera que ce que je dirai dans ce palais, ok? La prochaine fois que tu essaieras de m'interrompre, ça va mal se terminer. Ne me cherche pas. Et toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me combattre? Hein? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Allez, vas-y! S'il vous plaît. Si t'es un homme, vas-y! Laissez-le partir, s'il vous plaît. Imbécile! Restez calme, calmez-vous. Je vous ferai la peau! Vous tous, je vous ferai la peau dans ce palais! Essayez encore la prochaine fois! Donne-le-moi. Merci. Tu peux disposer. Thank you.
Votre Majesté. Qui conduisait cette Jeep rouge? C'est votre fils qui conduisait cette Jeep. Mon fils? Oui, Votre Majesté. Mon fils? Va-t'en. Mon fils. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Il s'agit de mon fils dans cette voiture. Quoi? Qui? Hey! Ma reine! Hey! Ma reine! Majesté! Ma reine! Hey! Ma reine! De l'eau! Apportez-lui de l'eau! De l'eau! Ma reine! Pitié! Qu'est-ce qui se passe réellement? Tout d'abord, mystérieusement, notre roi est mort. Maintenant, c'est son fils. Ah, Giannosier. Selon moi, ou si tu me le demandes, je ne pourrais que te donner une réponse. Qui est... C'était juste un accident. Oh non, que c'était un accident. Ça sonne tellement bien. Mais le seul jour qu'il décide de conduire la voiture de son frère, il meurt subitement. Juste comme ça. Et qu'est-ce que tu veux insinuer? Ce que j'essaie de dire. Tu veux entendre? Fais très attention avec moi. Méfie-toi de moi. Je n'ai rien à dire. Faites un peu preuve d'humanité envers la reine pour avoir perdu son fils, un jeune homme ambitieux. C'est terminé, il n'y a plus de compétition. Plus rien. Vous pouvez maintenant le couronner. Il est maintenant notre prochain roi, il n'a plus aucun adversaire. Il peut être couronné et ensuite on ira de l'avant. Quoi d'autre? Ah. Je n'arrive pas à croire que mon amour, tu sais, il est juste, tu sais. Arrête de pleurer, hein? Ton prince amant. Désolée. Hein? La prochaine fois, je ne vais pas aimer un prince encore. Prince ici, prince là-bas. Hein? Regarde ce que tu as fait. Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu être mon crush? Oui, désolé. Arrête de pleurer, désolé. Mais je t'avais dit non. C'est juste. Je ne sais pas. Ça a annulé tous mes plans. Yako. Désolé, non, arrête de pleurer. Mais je t'avais dit non. N'est-ce pas? Mon amour. Désolé, non. Ma reine, vous devez vous calmer, d'accord? Arrêtez de pleurer. Vous allez vous faire du mal. Arrêtez de pleurer. Ça va aller. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Ne pleurez plus. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. S'il vous plaît. Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que l'honneur de ce royaume, je te couronne roi Ifeani Tchoko de Bachala. Tiens, ton bâton de commandement. Igwe.
mon nouveau roi. Luka Ekwem. Luka Ekwem. Luka Ekwem. Blingori. Pourquoi me détestes-tu autant? Pourquoi? D'abord, c'était mon repas. Tu as empoisonné mon repas. Malheureusement, c'est Père qui a mangé ce repas et est mort. Ensuite, tu as encore frappé. Malheureusement pour ton fils, il est tombé dans le piège qui m'était destiné. Je ne faisais que penser et repenser à tout ça, et il y a une seule question qui me revenait à l'esprit. Pourquoi? Pourquoi me déteste-t-elle autant? Pourquoi est-elle déterminée à me tuer? Tu me détestes depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Mais t'as oublié que je suis un enfant béni. Aucun pécheur ne restera impuni. Tu en as assez fait. Les notables décideront de ton sort. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le détruire, pas même toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I am my mama.
Chichu, Ochemadu, Apoyo Chichu.